Alors, chers amis, alors qu'on est de retour, je vais vous raconter une anecdote qui vient d'avoir lieu il y a approximativement 8 secondes. Un petit Lulu qui tranquillement me regarde et dans le droit des yeux me dit « Je m'en bats les couilles de G. » Le fanboy a juste à retourner sa veste. Le King Lulu. Non, mais évidemment que j'aimerais bien... Enfin, moi, on parle d'une finale... OG-PSG qui serait incroyable. Moi, un BO5 OG-EG serait aussi ultra stylé, mais bon, c'est bon. Moi, il y a Chonchou en finale, s'en fout. Hein. Ils ont fait top 4, c'est déjà très bien. Ouais. Vous avez complètement volé votre game, enfin votre place, donc vas-y, on s'en fout. Hein. À ce point-là. Non, j'exagère, ils jouent magnifiquement bien et c'est trop bien de les voir là, mais c'est bon, il y a Chonchon quoi. T'as une couronne sur la tête, mon bon Lulu, ça me donne une transition toute faite pour parler du roi qui y a quand même dans cette game. Alors bon, évidemment, hein, ce soir, le roi c'est Seb, et le roi oui. c'est OG, et Thompson, c'est et Jarax. Fucking Mad. Fucking Mad, Jarax, tous les autres, enfin Jarax, son respawn et son Echo Slam, je pense que. Ouais. Genre, mais je vais fermer les yeux et je vais le revoir en fait. Il a tenu la. Mais tous ces Echo Slam, il a tenu la game. Enfin, la teamfight devant Roshan où il met un Echo Slam sur Ame et Maybe. Ame et Chalice. Mais c'est. Enfin. Et en fait, c'est leur porte d'entrée pour revenir dans la partie. Juste sur. Enfin, bref, c'est. Voilà. Jarax God. Jay God. Alors, on pique des héros dans ce match. Voilà. Un petit Wisp, un petit Enchant. Oh là là, on enlève la Aegis. Je vois pas les drafts. Ouais, j'avoue, là maintenant il y a un ventilo. Mais d'ailleurs, pourquoi on a mis le ventilo alors qu'il fait froid? C'est des ouf. Ah, il fait pas c'est froid. C'est moi qui courais dans la baraque, j'ai eu hyper froid. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'endroit du ventilateur, juste avant, il y avait aussi Yuyu qui est en train d'essayer de mettre ses pompes tout en galère pour le truc. Et effectivement, comme il avait couru partout, il avait chaud. Ouais, ils ont enchaîné tellement vite qu'on a été. Je me demande, allez, moi je me dis, s'ils enchaînent tellement vite, c'est qu'ils vont nous montrer un truc après, c'est sûr. C'est la dernière journée pour avoir quelque chose en tout cas. Alors en tout cas, Artifact, il l'avait annoncé à ce moment-là. En théorie, c'est dans ces eaux-là. Nouveaux héros, ils n'avaient pas été annoncés dès Last Day ouais, l'année dernière. Exactement. Les nouveaux héros, c'était Last Day. Ouais. C'était Last Day quand même. Ils ont annulé Dotaï en plus, donc il y a un peu plus de place aussi en termes c'est de ça. Créneaux. Et puis, quand ils avaient écrit le script de cette série, ils se sont dit ça va prendre du temps, ça quand même. Peut-être qu'on enlève. Parce que là, c'est 2-0 pour OG en 20 minutes, donc du coup, on va avoir du temps. Quoi. Ah non. Non. Alors Team Liquid contre Evil Geniuses pour l'instant, et bien le IO qui est dans l'escarcelle de la Team Liquid, GH qui est forcément un très 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 bon joueur sur le personnage, l'Enchantress ultra méta qui va une fois de plus aller chez Liquid. Ça fait deux gros pics quand même pour Team Liquid dans l'ouverture. C'est vraiment marrant, je pense que Liquid ils ont été très malins là-dessus parce que c'est eux qui ont bannent le Giro. Je pense que comme eux bannent le Giro, à aucun moment en face faut bannent le IO quoi, c'est bon, ils ont self ban le Giro pour que nous on le prenne pas et bam ils prennent le Yo derrière. Après il faudra voir avec quoi il sera accompagné, mais t'as un petit brain qui s'est fait je pense à ce niveau là mais par contre t'as une fois de plus Enchantré sur ça quoi, t'as une fois de plus l'Enchantré qui passe avec un Ursaconde. C'est assez marrant du coup de voir ces échanges parce que t'as quand même Liquid a réussi à forcer un first ban Brood quoi, donc le truc c'est que dans la question réponse à la base l'Enchantré ça vient répondre à la Weaver qui est incroyable, c'est à dire que il y a des héros qui, dans Dota, ont besoin de lockdown pour tuer une Weaver. Même, on va dire, peut-être 90% des héros de Dota. L'Enchantress, elle s'en fout, en fait. Elle veut juste avoir la vision. Et une fois qu'elle est en vision, les pétus ont suffisamment de range et l'Enchantress a suffisamment de survie en teamfight pour aller complètement bourrer une Weaver. Et surtout qu'en 1 contre 1, elle va la dévorer. Fou, quoi. Bah ouais, elle s'en fiche, quoi. Donc Et la méthode du oui, mais si on pose un break sur Enchantress ou je ne sais quoi, on ne break jamais une Enchantress pour l'enlever à tout chapeau, je ne sais quoi. En fait, le problème de poser le break avec la Silverette, c'est qu'il faut réussir à mettre la première attaque. Faut s'approcher de la touch. Le seul moment où cette Weaver elle va pouvoir éclater cette Enchantress, si jamais on ne peut pas compter sur l'Artesi qui sera potentiellement sur S4 ou Arthur. Du coup, c'est lequel ça va être BKB Weaver. La BKB Weaver, elle va passer par-dessus Untouchable, elle va pouvoir dévoiler l'Enchantress. Mais là, on parle d'un Dota bien avancé. Je pense qu'ici, attendez, dans tous les cas, cette Ursa Liquid, je pense qu'ils ont bien posé. J'aimerais bien voir des réponses Doom en fait, arriver où je trouve que c'est contre un héros. L'Enchant ? Contre l'Enchant, parce que je trouve que c'est un héros qui pourrait venir juste dire à l'Enchantress merde, on t'ignore. Et puis, alors après, le problème d'un Doom, c'est qu'il faut réussir à l'intégrer toujours dans une line-up et que tu le prends juste pour l'Enchantress. Mais. Moi, j'aimerais bien voir des dégâts maintenant, le Doom. Hein. Il a nerf sur nerf. Quoi. Ouais, mais tu l'ignores en fait. En lane, il est zéro maintenant, le Doom. Hein. Enfin, s'il a disparu, c'est une bonne raison. C'est que maintenant, son Scorcherders, alors c'est le dernier à avoir pris un nerf. Et juste avant ça, c'était son autre nuke. Donc les deux spells qui faisaient des dégâts à bas niveau, maintenant, n'en font plus. Ouais.
Ouais, mais parce qu'il était joué en solo lane, moi je suis persuadé que si t'arrives à l'intégrer dans une dual off, dans une line-up un peu horrible, c'est le même délire. En gros, si t'as toujours aussi peu de dégâts en fait avec un double, mais si t'as pas d'XP, malheureusement, tu le rentres dans aucun setup, quoi. Ou alors il te faut un truc qui génère de l'XP, donc tu fais Doomlish. Mais bon, le Doomlish, ça passe. Ouais, c'est le Doomlish. Mais c'est hyper défensif, quoi. C'est-à-dire que tu tues personne, bon. Typique au Remagi. On n'a pas vu tant que ça sur ce tier. En tout cas, tu vois, je sais pas ce que Liquid a prévu de prendre comme héros pour Matumbaman et potentiellement pour Miracle aussi, mais t'as du stéroïde de dommage dans leur équipe. Hein. Alors là, entre Lio et le Remagi, il va y avoir de l'attaque speed, hein, y a pas de problème. Ouais. T'es là à se demander, ça va être quoi ? Très certainement le héros de Miracle. J'aimerais bien une PA. J'aimerais beaucoup une PA. Ça souffre beaucoup de l'armure leash, mais je trouve ça. Ça veut peut-être pas être trop au cac contre un Ursa non plus, je sais pas. Un truc, c'est maintenant la MKB coûte 4000 gold. Faut voir comme ça en fait. C'est genre quand t'as PA maintenant, c'est l'orage MKB qui te fait peur, comme toujours. C'est ça. Et maintenant elle est plus accessible. Bon, tu perces pas à 100% l'évasion. Mais t'as toujours cet argument. C'est combien de... 75%. Mais bon, ça suffit pour. Ouais, c'est ça dépend c'est comment tu snowball avec ta PA, quoi. Faut juste dire qu'à un moment donné, quand il y a les MKB qui arrivent, bah, là t'es baisé, il faut savoir jouer la game autrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des talents tels que la triple dagger qui sont arrivés entre temps. Ah, j'adore ça, c'est un atout superbe. Et attention EG, parce que EG, ils ont perdu 2-0 contre Liquid, contre Dedra, Veno, où vraiment ils se sont fait pigeon à chaque fois. Et on assure la win sur le storm de Submail. Parce qu'à un moment, il y a un king dans l'équipe, on va lui filer son héros parce que c'est lui qui nous carry. De toute façon, on l'a entendu en interview. Hein. Généralement, ouais. Il demande son héros et instantanément, le drafter clique dessus et fait pique. Il va avoir le héros là, du coup, il va avoir le match-up Miracle. La base stat, regarde, il réfléchit le match-up là. Je pense. À moins qu'ils ont déjà prévu de mettre le Venomancer, de mettre au mid. Ouais, ce qui serait étonnant, je trouve. Je pense pas. Ouais, t'as pas besoin de prendre un Veno pour crush un Storm. Mais ça veut dire que c'est un. Un Veno carry, du coup. C'est un Veno pose 1. Voilà, c'est Veno pose 1, Enchantress offlane. Mais du coup, c'est à dire que t'as un Wisp qui est pas pour le moment en combo. Donc, t'as peut-être envie de prendre un mid qui profite aussi un peu du Wisp. Alors, ça peut être. Tu vois, ça peut être juste un SF ou enfin un peu un truc qui peut en profiter un peu globalement, quoi. Pas un Wisp Tiny qu'on jouait exclusivement en duo, mais. Donc ils réfléchissent, je pense, un peu à ça, Liquid. Mais ils sont honnêtement assez ouverts. Il y a Monkey King qui est très bien par les défenses. Ah ouais, Monkey King, tu serais cool, ouais. T'as des héros type, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'Avocar Quest Face. Ça souffre toujours un peu de la liche, quoi, mais bon. Après, le truc, c'est toute une dimension, à savoir que Team Liquid, ils sont pas obligés d'avoir un match-up gagnant au mid, puisqu'ils vont très certainement au moins gagner l'une des deux outlanes et avoir une outlane even, voire légèrement gagnante, 60-40, un truc dans le genre, face à liche plus X. Donc ils doivent partir du principe que Team Liquid, ils sont pas obligés de s'appuyer sur les lanes, ils l'ont déjà assez fait. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit Namax, il y a deux héros qui donnent beaucoup d'attack speed. Donc ils peuvent jouer leur carte là-dessus. C'est vrai, ils bannent quand même l'invoqueur, hein. Ils prennent pas le risque. Ouais, je pense tu prends pas le risque de prendre un miracle invoqueur. Je suis 100% d'accord. Mais faut faire gaffe quand même, parce que c'est pour ça que j'aime bien le MK, c'est que c'est un petit peu de lockdown sur un storm, quoi. Parce que là, t'as rien. Donc ils te font un truc quand même où potentiellement tu peux lockdown un storm. Ouais, après, tu peux essayer de jouer. J'aime bien, c'est aussi l'idée du MK, parce que c'est un héros un peu évasif. Et mine de rien, tu regardes côté EG, pour le moment, t'as zéro contrôle à peu de choses près. T'as un c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai que tu peux jouer aussi ça, le truc. Tu peux jouer là-dessus aussi quoi. Ouais. Bah, il perd pas mal de match-up, quoi, le MK. C'est la Weaver, il est pas gagnant. Le storm, c'est pas ouf. Le storm. Le storm avant le niveau 6. L'Ursa, je voulais dire, c'est pas ouf. Storm, ça va. Il y a Luskar que Miracle joue énormément, mais là, ça revient au même match-up. C'est pas incroyable face à Weaver, c'est pas démentiel face à Ursa. Ouais, c'est clair. Après, tout ça va dépendre du snowball, comme d'hab, d'un Luskar. Un Luskar, ça peut terminer la game en 25 minutes, comme ça peut aller à 50 minutes, et là, il galère. Hein. Ouais, c'est toujours la même chose. Et Miracle joue énormément du Luskar, il est dans son top 10 des rouges. Luskar, ce serait marrant, en vrai. Est-ce qu'ils peuvent jouer un truc, genre, tu sais, un Ember Spirit, un truc qui va jouer full sur le kiting, l'évasion, etc., tout comme ça? Et qui ne s'en sort pas si mal que ça contre Storm. Je pense que c'est trop greedy, c'est trop loin, Ember. Bon, la Dark Willow, c'est sécure côté EG, ça rase extrêmement bien, ça sécurise bien les deux dual offlane, les deux dual lane pardon, de Evil Geniuses. Donc là-dessus, c'est solide. Ça t'amène enfin du contrôle. Ça t'amène enfin un peu de contrôle, ouais, effectivement. À voir quand même que là, en termes de fights sur les 3-4 premiers niveaux, EG, ils sont à poil. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont une leash qui va protéger Ursa ou Weaver. En fait, t'as Ursa qui court sur les gens avec la liche. Ou ouais. Bon, selon. En fait, contre le Veno, ils vont souffrir. C'est vraiment ça. Contre le Veno, ils vont souffrir. Weaver, Dark Willow, safe lane. Enfin, je sais pas si c'est des Weaver. Ils peuvent mettre des Weaver. Oh ah, bah voilà le pool dans le pool, le Chaos Knight. C'est joli. Attends, ça. Du coup, ça peut-être être Miracle Venomancer. Attention contre la Willow, mine de rien. Chaos Knight. Non, c'est Miracle qui est très compliqué à jouer. Très compliqué à jouer Chaos Knight contre Willow parce que tu prends des fires de masse, tu recules en boucle, etc. Mais c'est vraiment le seul héros qui t'emmerde un peu pour moi.
Mais par contre, c'est dans ultra draft, intéressant ça, contre ça un Storm. Ça va blaster les héros adverses quand même. Là, hein. La force de Matoma Man, c'est que c'est un carré qu'on a l'habitude chez Liquid de le laisser vraiment en solo safe lane, en mode écoute, démerde-toi, ça fait 2 ans il joue comme ça, c'est Matoma Man, c'est le mec qui lui dit je te file un lance-pierre des cailloux et fais-toi un feu avec. Quoi. Et bien là, concrètement, non, mais concrètement, ils peuvent très bien laisser Matoma Man en solo safe lane, ils prennent Yoseka, ils vont essayer de bourrer ce mail, et là, peut-être que G, ils vont répondre. Et ce qu'on a vu dans ce tournoi, je sais plus quel game, où il y avait une Leash à un moment donné, et la Leash, elle a essayé de backup au mid, mais jouer un 2v2 avec une Leash, c'est terrible. C'est nul. En fait, c'est presque bien en début de partie parce que on va dire t'as le côté du deny XP quoi. Oui. Mais tu perds de toute façon ta vie. Enfin, que ce soit la Leech ou le Storm, Blink, CK, Stun, t'es mort. Ouais. Hein. C'est... Tout le monde est sous le coup de l'émotion. Hein. Ouais, c'est crois. Normal. Ouais, post draft du coup un petit avantage qui va être balancé au-delà de la sexiness de ce CK qu'on n'avait pas encore vu. Il y a un petit avantage qui a été glané quelque part. Je pense que le draft de Liquid est ultra dur à jouer. Est-ce que tu peux nous remontrer le draft d'ailleurs, du coup, si tu l'as encore à non, disposition. Je pense malheureusement qu'il n'est pas. Ouais, qu'il est plus disponible encore ce draft. Mais je pense que le draft de Liquid. Si, oh, voilà. Parfait. Le draft de Liquid est hyper dur à jouer, mais le draft de Liquid snowball extrêmement bien avec Yoseka. Il y a encore une Deathball, c'est ouf quoi. Bah il y a des Deathball dans CI 2 games sur 3 quoi. Donc pour moi, il faut qu'ils arrivent à gagner 2 lignes. C'est voilà. Si c'est le cas. Si c'est le cas, ils sont honnêtement très bien. Et surtout, il faut arriver avant le timing summail qui peut être un peu emmerdant. Tu sais, t'as le timing où en fait le Storm va sortir, le BKB, il va être intouchable. Et t'as le timing où Miracle va pouvoir l'attraper et le one-shot après sur le reality. Normalement, il doit pas BKB là dans ce game, le Storm. Il va Lincoln plus avec son Storm. Ouais, normalement, ouais. Et s'il peut, même s'il peut skip la Lincoln, c'est bien parce que genre, il y a que des choses qu'il peut éviter à part le Stone Ogre Magie. Donc normalement, il peut pas éviter le one-shot sur le. Le Rift. Sur les Rift, ouais, sur les Katyn, quoi. Enfin, il voit normalement le Rift. À moins que le CK fasse dur, dagger hein. Et le surprenne. En deux mots, hein, je sais que vous êtes là. Là, vous êtes en train de nous pré-analyser cette game alors que les héros sont déjà quasiment en train de sortir de la base. On est sur Team Liquid versus EG. On cherche l'adversaire de PSG LGD qui vient de tomber en loser bracket après une game d'anthologie de la part d'OG, un français en finale. C'était l'histoire de la game précédente. EG contre Team Liquid, deux écuries incroyables de la scène nord-américaine qui s'affrontent pour une place en grande finale. Ça va être dingue. Ça va être ouf. Ça va être dingue. Il y a pas beaucoup d'autres mots pour ça. Hein. Combien il y a de vainqueurs de TI? Il y a 7 vainqueurs, 7 joueurs sur 10. Je pense qu'il y en a autant que ça. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y en ait autant que ça. Bah, il y a tout Liquid plus S4 plus Sumail. Ok, ouais, c'est juste pour vous dire un peu l'enjeu de cette game. C'est monstrueux. Il y a une game à aller chercher derrière contre PSG LGD. Le perdant terminera 4ème. Le vainqueur, lui, au moins top 3, mais visera évidemment la première place. C'est là, on est vraiment dans les choses sérieuses. Là, ça va être très très dur. Et tous le les matchs, scénario tous les matchs de cette journée est déjà ouf. Ouais, alors nous, on sort d'une, évidemment, et vous aussi, je l'espère, d'une vague d'émotions transcendantes. Ouais, ça va être dur de se concentrer sur ce cast. Tout à fait. Mais bon, ça va être une game énorme. C'est une game énorme. Team Liquid qui est tombé dans le lower. EG aussi. Les deux équipes dos au mur. On a les vainqueurs du dernier TI. C'est quand même la remise en jeu de la Aegis qui pourrait potentiellement s'arrêter maintenant. Hein. Ouais. Alors maintenant, sur ce BO, bien entendu, pas sur cette game, mais sur ce BO qui pourrait nous voir partir eh bien, le détenteur du titre et qui est également gros favori du tournoi. Mais ouais, je c'est pense, ça. Hein. C'est, on disait, c'est peut-être la première fois qu'on a une équipe qui pourrait défendre son Aegis vraiment. Ouais. Aller au bout et dire c'est bon, on l'a gagné deux de fois. De défendre en finale, quoi. C'est, voilà, c'est. Et voilà, là ils sont dos au mur. Tous les BO qu'ils vont prendre maintenant, mais ils vont être incroyablement durs parce que EG, on les a vus, ils ont ridiculisé Virtus Pro. Derrière, ils vont devoir. Ils vont devoir affronter PSG LGD qui les ont massacrés en upper bracket il y a quelques jours. Donc la route est longue, mais rien n'est impossible pour Team Liquid. Complètement. Et du coup, en plus, c'est à grands coups de Chaos Knight qui vont le faire. Alors, Chaos Knight, c'est un héros des finales de TI. Je pense qu'on gardera tous toujours en tête que le Chaos Knight nous a fait vraiment vibrer sur les internationales. Et là, c'est quand même le premier Chaos Knight du tournoi. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de nouveaux héros. Ouais. Et pourtant, Team Liquid se sent assez chaud pour aller prendre ce héros. Donc, ils n'ont pas testé pendant la durée du tournoi à cette game-là. Alors, ils aiment bien expérimenter un peu. On sait que Kuroki, sur ses drafts, il aime bien surprendre ses adversaires. Et côté EG, on est parti sur, je trouve, du très classique. On a le retour de ce Storm de Sumail que vous avez à l'écran, ici un peu bully par Kuroki. La Leech qu'ils ont pas mal joué, la Weaver, c'est peut-être le rôle plus joué de S4 dans ce tournoi. Donc on est vraiment, vraiment sur du classique. Tout à fait. Ah, notre setup de ligne, alors c'est pas un 2-1-2 classique comme on peut le voir. C'est plutôt du côté Team Liquid, c'est un peu à la méta ancienne avec ce 2-1-1. Alors le 2 est placé en offlane en l'occurrence. Et puis en position 4 qui fout le Bronx, comme on dit. Qui,
on va voir ce qu'il va pouvoir faire, mais ces fameux The Grand Magic Ignite qui viennent mid, mais c'est Sumail a été impressionnant sur ce tournoi. T'as envie d'allumer de la pression, t'as envie de l'empêcher de jouer. Et on l'a vu louper un ou deux match-up, mais les seuls que j'ai en tête c'était des alchimistes. C'est-à-dire qu'il a pu recover alors qu'on a un petit peu d'action en bas. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir trouver une sur la liche? Fly. Attaque. Oh la salve, qui va le sauver. Et du coup, Miracle est peut-être un peu dans Miracle la merde. Miracle est ici. Dans la merde. Est-ce que j'ai gros. Ok, avec la salve sur GH, ça va passer. C'est bon. On a envie de la cancel de la part de S4, mais c'était son dernier Tsukushi en termes de mana pool et il y a une sentry qui l'attendait juste derrière. On a vu qu'il avait plus de mana, on va y aller. Le rift de la part de Miracle. La Nova qui essaie de faire la différence, mais on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Ça passe. C'est la poule. Il a une seconde, hein. Ouais. Il avait le mango Tsukushi qui revenait. Ouh, en haut, ils ont failli pouvoir accrocher Mind Control aussi. Mais du coup, sur le bas, c'est la boulette qui gagne la guerre contre la fourmi pour le First Blood. C'est bon, moins épique quand tu le dis comme ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et c'est le Yo qui prend le First Blood sur la Weaver. C'est mieux comme ça. Ouais, ouais, merci. On est vraiment bien. Au mid, le duel est un petit peu compliqué. Oh, Mind Control. Oh, ouais, Mind Control, il va a faire déjà du Fury Swipe sur la gueule en plus. Effectivement, est-ce qu'on arrive à trouver la dernière attaque d'Arthesi? Ça passe. Et ça passe. Et au mid, Sumail qui va peut-être mourir. Oh, le creep train. Oh, Kuroki qui arrive. Kuroki qui arrive. Et le, voilà. Le capitaine qui est là. Il s'est fait peur, Matou Maman aussi. Oh, hein. Oui. J'ai pas vu ses points de vie, mais c'est tombé très 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 bas. Ça aurait été dramatique qu'il meure Matou en genre 2v1, quoi, tu vois. C'est vraiment un truc qui aurait pas dû arriver. Donc là, concours de circonstances qui fonctionne bien pour Team Liquid. Très bonne présence de Kuroki qui vient punir là Sumail sur sa volonté de gagner ce 1v2 au final. Ouais. Point important sur cette ligne en bas, une sentry a été achetée par Fly, ils ont pu retirer la détection de Team Liquid, ce qui fait que maintenant S4 est beaucoup plus libre sur cette ligne et peut aller agresser Liu, vous le voyez maintenant avec son Tsukushi, sans avoir peur de prendre un contre-engage. Ouais, il y a peut-être moyen de trouver un kill là avec le Swarm en plus, ils vont essayer de contrer sur Fly, je pense que Fly devrait tomber, l'important c'est est-ce que le contre-kill est fait. Est-ce qu'on peut aider GH? Ça paraît trop compliqué là. Toujours très compliqué pour ces Wisps, les Swarms de la Weaver, c'est horrible, tu peux pas t'en débarrasser. Oh, et on a envie de dive avec le Bramble Mess qui est lâché. Arthesi qui est un peu coincé par ses creeps. Il a touché le clap, c'est le plus important. Le slow utilisé par Mind Control, il a son heal. J'espère qu'il a des tangos pour passer par ici. Ouais. Ça m'a l'air bon. Oh, avec le Whiff qui est là. Eh, mais attends, ils sont coincés là. Y'a Kuroki qui est là aussi. Ouais. C'est un 3 contre 2. Faut bloquer crit. C'est là, bien, faut c'est bien tenter crit. Crit. Ouais. Est-ce qu'il peut genre Shadowrun TP à un moment donné? J'aimerais qu'on lui clique dessus pour qu'on sache. Et non. Le Shadowrun TP. Tu peux faire C'est génial ce qu'il a fait. Parce que d'abord il a pris l'aggro des adversaires pour que Arthesi soit safe et qu'il puisse partir. Et ensuite il a utilisé ce petit trick pour s'enfuir sans problème. Et du coup c'est quand même une des premières fois qu'on voit une enchante se faire rouler sur la phase de. Alors oui, elle est balancée au sacrifice là-dessus, hein. C'est normal, tu la mets sur le safe lane contre une duale, elle souffre. Mais ça va être marrant de voir comment est-ce qu'on va avoir une enchanteresse qui va devoir recover dans la game. Parce qu'on les a vus quasiment tout le temps devant ces enchantes. En fait. C'est vrai. Attention à GH aussi, hein, qui a TP top pour aller backup. C'est-à-dire que Miracle, vous voyez ici, est tout seul. Mm. Seul face à deux héros, face à une liche, face à une Weaver. Il faut pas trop grid, mon petit Miracle. Et S4 va pas aller jusqu'au bout. Il sait que de toute façon. Il a plus d'hygiène, hein. De manière passive avec une liche, il gagnera cette lane. Et oh, à nouveau, Mind Control. Le stun qui part. Arthesi est loin. On va pas aller au bout. Hésitez à aller body block, Arthesi a call que non, il y a les bounties dans 10 secondes, vaut mieux contrôler ça. Oh, Miracle, il est en train d'essayer de tuer Fly, il va le récupérer mais il va mourir juste avant malheureusement, ce qui veut dire que toutes les bounties sont pour cette Weaver, le Yo m'a l'air safe. Ouais. Ah bon, bon taf de Kuroki qui a été snatch la bounty de l'autre côté. Est-ce qu'il est pas un petit peu en danger? Peut-être un juste petit peu... TP je pense maintenant. On fiche. Ouais, ça m'a l'air bon. Le mid ça devient un peu dur pour Sumail. Casson level 6, vous voyez qu'il est loin. Ouais, devant. Il est peut-être mort, non, Fury Fire. Ça ouais, il a ce qu'il faut. Ouais, il est à la bottle. La bottle, la salle, on va même lui remplir avec le TP. Ah, parce que comme je vois pas de ward Veno posé au mid, ça doit être un build Gale, Poison Sting. Oh oui, c'est un build poison. Et Kuroki qui arrive, on s'y attendait pas. Avec Miracle avec son Chaos Knight, il est 6 par contre. Oh, il arrive à chercher le deuxième jump. L'Ignite est fini. Et Miracle il va. Il a faim, Miracle. Oh, il est slow maintenant, il a pris cher. On se contente de Fly. Ouais, ils vont se tanker la tour alternativement. Histoire qu'il n'y ait personne qui meurt bêtement. 4 mecs pour un pot 5. Ok, ça file un kill à Miracle, ils participent. Ils voulaient rotate leur lane, c'est bien de faire un truc entre deux. Mais c'est pas très rentable quand même, 4 mecs pour un pot 5. Bon, maintenant ils renvoient aussi Sumail à la fontaine. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'ils auraient bien aimé le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Qui repart en bas maintenant? Pour moi, ils vont essayer de le whistle, c'est vont essayer de tuer top et Mind Control va TP en bas. Ouais, ok. Ça me plaît comme idée. Attention ça. À pas mourir par contre, juste avant qu'ils arrivent. Vous voyez sur les mines, ils sont juste à droite. La cavalerie. Allez, il va vers eux, Mind Control, il dodge le maze. Et GH qui va arriver, qui va tenter d'aider son coéquipier. Par contre, le rift était pas très bon de la part de Miracle. Il a replacé Arthesi un peu loin de ses adversaires. Le slow de la part du Wisp qui n'a pas l'air suffisant. Est-ce que Miracle récupère le rift? 3 secondes pour le stun. 3 stun secondes, maintenant. Les boulettes. Oh, ils vont la Allez, Arthesi. Ça passe pour Miracle. Et Crit peut être danger aussi. Effectivement, GH a pris pas le dégât, mais je pense pas que Crit en 1 contre 3 puisse aller chercher le kill. Ok. Il va
voilà, jouer safe. Et ça va passer du coup pour ce Wisp. Et Mind Control, effectivement, TP en bas, il va rejoindre Kuroki. Ok, donc il est rétabli sur la lane comme ça. On voit au CS que ça se passait pas bien ces lanes. Alors, oui, ils ont 6 kills, oui, ils sont en avance en termes de kills. Mais on a eu un très bel exemple de ça tout à l'heure avec des lignes clairement dominées et le kill score qui va à l'équipe d'en face. Donc faut faire un peu attention à ce genre de choses. D'ailleurs, attention à toi, Miracle là-haut. Si t'en es passé, il faudrait pas que la liche soit en range. La liche est en range et Artezi qui vient récupérer un kill sur son vis-à-vis. Au mid, on a eu un petit go de la part de Sumel. C'est peut-être juste de la. Du poke. Non, il va au bout. Le stun qui est là de la part de Kuroki. On avait un stick pour Matumaman. Une range. Oh, il tank et Sumail qui tombe. Il est où le taunt banane là? Petit banana taunt au passage là. Eh, qu'est-ce qu'il taffe Kuroki dans ce début de partie? Complètement. Il est là, c'est le plombier hein. Il est là pour rattraper toutes les fuites dans cette phase de lead de Team Liquid. Vous avez un problème avec votre plomberie, appelez Kuroki, il sera là au quart de tour, pas de problème. Et ce raindrop qui taffe énormément hein, qui est venu tanker les petits coups d'overload. C'est clair. Très utile à hacher dans ce début de partie pour tanker le burst magique quand vous avez besoin de survivre. Ouais. Mais il y a le backup qui est là derrière. Juste à droite, effectivement. Ouais. Il va falloir clap pour Artezi. Tente d'aller chercher le kill. Ça même passera Tumail pas. TP de Tumail. 3 contre 3 du coup à la sortie. On focus le Wisp en premier. J'ai haché le kill facile dans l'équation, je pense. Le stun va proc. T'es sûr? Ouais, il va Ok, c'est bon, on récupère. Et Kuroki maintenant, peut-être. Et Tumail il a plus de mana. Du coup, Miracle l'a vu. Il veut se retourner. Il manque quelqu'un dans l'équation. Il manque un mec de plus pour que Miracle puisse venir. Kuroki va s'en sortir de justesse. Ça reste 4 personnes qui viennent. Artezi était mort avant, on coupait le solo mid, on récupère qu'un yo, je pense pas qu'on soit content. C'est un peu le même scénario que ce qui s'est passé mid hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc les deux équipes à tour de rôle qui font un move pas ultra rentable. Alors oui, c'est un move aussi mentalement qui te met en confiance. Ah bah ça te met pas mal en confiance aussi des pop des liches. Alors où est-ce qu'on en est au terme de net worth sur les carry? On n'est pas trop mal pour Artezi, un peu moins bien pour le Chaos Knight, qui est quand même toujours devant le Storm, et c'est le yo là qui s'invite au même net worth que ses corps. Et l'enchantress qui est très derrière. Bon début de partie. Allez, on va revoir ce move un peu bizarre qui te remonte juste la fin. C'est beau. Un peu étrange. Ah, c'est vous voulez monter la réaction. Ça s'est joué à rien. Très bien. Ça s'est joué à rien. Il pouvait pas non plus anticiper que l'ogre magie était, serait en backup. Et on est reparti avec un stun sur Miracle. GH est là, bien positionné pour venir aider son coéquipier. Va falloir link un jour quand même si on veut le sauver. Ouais, c'est parti. Ça arrive, il voulait pas prendre de route peut-être. On va tenir Miracle en vie. Mon dieu, le stick et le heal qui vont faire la différence. Est-ce qu'on peut avoir espace? Oh là. Il était level 7 je crois, Esforan, donc il avait son outil. Probable. Ouais, il avait son outil. Est-ce qu'on peut récupérer plus? Il va vite Miracle. C'est intéressant, je trouve, ce Brumble Maze qui est utilisé par Crit derrière la personne qu'ils engagent, de manière à ce que le Wisp, s'il tether, en fait, il se prend le mail sur le chemin. Tout à fait. Je pense que c'est ce qui a fait hésiter le Wisp là-dessus de venir se link directement. Ouais, l'autre chose, c'est probablement le swarm de la Weaver, il l'a temporisé lui aussi. Il a attendu que le Wisp tether pour envoyer le swarm. T'as raison. Probablement jouer dans l'équation aussi. Et oui, je disais tout à l'heure, tu disais le Wisp s'invite avec les corps, l'enchantress s'invite avec les supports. Hein. C'est vrai, effectivement. Ce qui fait qu'au final, on a cette différence, un peu moins de 1000 gold d'avance pour Team Liquid, donc globalement, on est dans un mouchoir de poche. Il faudra recover à un moment pour Mind Control, mais ça devrait le faire. Et le 7ème boulette qui va aider Mind Control, il a fait son taf. C'est bon. T'as mis ta boulette, tu dégages. Allez, on est 6 sur crit. Et on veut ses bounty là, on les veut ses bounty, on va fight pour. Ouais, Crit il est peut-être pas très bien suivi, mais il arrive. Miracle qui l'a suivi, il a pas l'illu bonus de toute façon, il a dégagé instant. Kuroki lui aussi va mourir, Matumaman va tenter de TP out, ça devrait passer. Et Fly qui nous a déjà fait un BO. Oh, attention, GH derrière. Ouais, est-ce qu'il a. Ok, il est venu grid la bounty, il l'a prise, il meurt, c'est pas rentable vu son net worth, mais. Clairement pas. 3-0 là-dessus sur cet échange pour EG. Et Fly qui avait déjà fait une game monstrueuse, je sais plus, c'était contre Virtus Pro avec sa liche, on a vu des rebonds mais qui avait gagné early game. Donc et ce là, fight mid là qui faisait aussi rebond ulti-liche là. Ah, il y en a eu deux ou trois où il a gagné tout seul et là à nouveau on a eu un ulti-liche qui a rebondi mais absolument partout. Tout à fait. Ce héros toujours un peu étrange quoi, c'est un héros qui a un rôle très particulier dans Dota, c'est le seul héros qui crée de l'XP là où il n'en existe pas. Mm-hmm. Et c'est un héros qui a des faux disables, un ulti qui parfois sert franchement à rien. Ouais. Une armure. Il a été buff quand même l'ulti. Ouais. Hein. Maintenant t'as un vrai slow dessus. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup plus dur de se séparer. Et là contre un Chaos Knight, avant qu'il collecte trop de stuff, c'est très embêtant. Tout à fait. En late game, bon, il aura trop d'illus, plein de HP, ce sera pas très important. À moins peut-être que Fly arrivera pas à rester en vie aussi. C'est vrai. Et l'armure liche dans cette game, je la sens pas super impactful parce que ça se fait dispel par l'enchantre. Il est au mid, je crois. C'est pour aider Matou. Y'a plus de mana sur Sumail. Y'a plus de mana. Il se refait pigeon sur une phase agressive, Sumail. Et du coup, ça live en haut. Et du coup, ça live en haut. Bah, toujours parce qu'ils reviennent les deux. Hein. Ouais. Alors, S4, il est pas trop mal. Il a encore ses ressources, notamment son ulti.
Qu'est-ce qu'il est tendu sur Early Game. On est à 8 à 11 en 11 minutes. On reste sur cette cadence incroyable qu'on voit depuis le début de ce tier. Une moyenne, je sais pas c'est quoi, mais à peu près 2 kills par minute. Ouais, c'est incroyable. Game. C'est monstrueux. Incroyable. C'est vraiment une méta qui est très définie par la phase de lane et la sortie de phase de lane. Et les équipes ont décidé que pour gagner cette phase de lane, pour gagner ces phases de lane, plutôt que d'essayer d'avoir des lanes spécialement sécurisantes, on veut faire la bataille et on veut tuer les adversaires pour prendre le contrôle des lanes. Et pour notamment récupérer ses premières bounties, le contrôle de map, disputer un peu plus ses objectifs. Ouais. On lâche plus rien. Ouais. Là où une époque dans Dota, on abandonnait des lignes, on avait des off-lanes qui jouaient juste la survie, on va dire. Maintenant, on ne lâche plus rien à ses adversaires et on conteste tous les objectifs. On va chercher l'avantage à la force du bras plutôt qu'à la force du cerveau. Allez, on a envie de prendre cette tour en haut de la part de EG. EG qui a une tour de retard pour l'instant dans cette partie. Cet Enchantress qui a pris la tour en bas. Mine de rien, cet Enchantress, elle souffre, on le disait, mais c'est elle qui a pris la tour. Hein. Ouais, carrément. Elle a fait ce travail de création d'espace. Bah, à partir du moment où ils ont décidé de laisser Arthésie tout seul contre l'Enchantress, évidemment, elle aura un peu de mal à... Arthésie aura un peu de mal à survivre sur la lane là, et donc l'Enchantress reprendra du poil de la bête. Et avec cette capacité, comme tu l'as dit, à prendre la tour sur les vagues qui prodiguent des catapultes, et elle les pique. On attend l'entrée dans la game justement d'Arthésie. L'Ursa dans cette game, pour lui il lui faut une dagger pour pouvoir rentrer. Et ensuite il va essayer de faire exploser la game. Est-ce que c'est une bonne game d'Ursa? Tu shootes l'enchant comme d'hab, c'est ton plan? Franchement il y a des choses vraiment sympas. Parce que Véno c'est horrible hein, contre Ursa. Ouais c'est ça, et même Chaos Knight hein. Ouais. Si tu engages quelqu'un d'autre et que le CK t'attend, tu te fais mais exploser. Donc c'est pas une game folle d'Ursa. Voilà, mais après il y a des choses. Il y a des choses pour l'aider aussi, hein, ça, il va pas être seul à se mettre dedans, il y a un Storm qui va go en même temps que lui, il y a une Weaver qui va pouvoir lui créer de l'espace. Donc ça va se jouer au teamplay, ça va se jouer à la coordination côté EG. Et vous qui découvrez peut-être encore un petit peu des interactions et Dota dans ce The International avec nous, tout d'abord bienvenue. Et vous avez vu le Whis beaucoup utilisé comme héros de stéroïdes pour des gyrocoptères et des héros du jour. Là on est sur une vieille combo Whis, enfin vraiment le Chaos Knight qui à l'époque faisait synergiser terriblement le Taser. Et là on risque de les voir utiliser les Relocate, comme à l'image, merci pour la démonstration en live, de manière offensive pour aller chercher des kills. Shadowrun, déjà ça a pris un peu cher quand même. Hein. C'est bon, les boulettes vont finir le kill. Et ça va passer. Et on les attend en retour. Attention sur retour. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'il peut venir tout seul? Super. Très bien joué de la part de GHK. Et est-ce qu'il peut TP? Non, il a pas de TP. Ah, il a pas de TP malheureusement. Mais c'est tellement bien qu'il reparte tout seul. C'est-à-dire qu'il avait la vision sur ses adversaires. Il a dû avoir l'information que G l'attendait. Ça aurait pu être un carnage hein, s'ils revenaient tous les deux. Et du coup, ils sont en place en bas pour prendre la tour aussi. Ce qui est bien, on craque pas l'ultime miracle, on le conserve. C'est fantasme level 1, c'est un peu compliqué de bien les utiliser. Si tu sors qu'une Illu en early, ça sert pas à grand chose en fight. Elle se fait très très vite tué cet élu. On a lâché le all-in. Attends, il attend, regarde, il y a Kuroki qui arrive par le dessous. Il y a Kuroki qui l'attend peut-être. Oh, il a pas grid, Shumail. Il a pas grid. Il parce est que parti là, à l'autre bout du monde. Hein. Honnêtement, un joueur sur O2 aurait fait un petit saut en mode bon, c'est bon, j'esquive, je sais que je suis safe et je recule. Et là, Kuroki aurait été en place pour le terminer. Ou tu t'arrêtes et tu TP back, pas du tout. Pas du tout, Shumail a pris la sécurité absolue. Fly, lui, il a bien envie de deny sa tour mid. Hein. Ah, c'est dangereux, la Weaver va le porter aussi. Oh bah, le coup de massue de Kuroki va mettre les gens d'accord. Allez, ça fait du coup deux tours d'avance maintenant pour Team Liquid qui s'installe assez bien dans ce early game. EG, ils ont quand même réussi à sécuriser les bois adverses. On le voit rentabilisé actuellement par Arthésie en haut. Et il va falloir pour Miracle continuer à snowball. Chaos Knight, c'est un carry qui ne farm pas très rapidement. Donc il faut tuer les gens. On fait Midas, il a pas fait Midas. Non, il a fait Armlet en premier lui. Donc il veut fight. Ouais. Ok, Matumban avec son vélo, un petit hood, il bosse sur une Albert, j'ai l'impression que c'est devenu très classique contre ça. Il est entouré ici. On lui met l'ultilish directement, on a envie de le tuer mais GH le tient en vie quand même. Est-ce qu'il travaille bien GH hein. Il te reste quelque chose? Non, il te reste rien, attention à la Weaver qui va se payer la petite boulette au passage. Ah, elle a multicast à la sortie pour cette Weaver, elle a toujours son ulti il me semble, c'est bon pour S4. Le joueur suédois qui s'en sort sans problème. On arrive peut-être à isoler un léger problème dans le draft de Liquid, c'est que tant qu'il n'y a pas le CK, tuer les héros évasifs, c'est complètement utopique. Ouais, ouais. Ils ont un problème de DPS. Oh ouais, il est tout seul Miracle. Hein. On arrive pour l'aider avec Kuroki et Manicron qui sont dans le coin. Ouais, oh, il dodge le stun, c'est magnifique. Et le one shot. Le stun derrière. Tu peux le tuer Espoir. Ça passe. Incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'il va au bout du bait parce que il aurait pu fantasme dès que le stun était posé sur lui. Et ça relocate. C'est cancel. C'est cancel. J'ai cancel, ok. Ça, c'est peut-être un petit misplay de la part de GH. On sait que le relocate a été modifié il y a pas longtemps. C'est pas lui. C'est l'enchantress.
Et non, il était avec Enchantress. Ah non, il était pas avec Enchantress. Non, il était avec le vélo. Okay, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait une petite Dragonlance dans le, ouais, dans le backpack. J'ai dit, c'est de ce yo. Et effectivement, il y a un build où on décide de faire du DPS sur un yo et on se taser un creep et c'est génial. Mais on le verra pas dans le ciel. C'est à faire dans vos cul de game et c'est tout. Et donc, enfin, pour l'instant. On disait avant. Oh oui, il aurait juste pu dispel en fait la Cursed Crown avec le, ouais, le fantasme, mais il a été jusqu'au bout. C'est ça. On sait qu'il est joueur. Hein. Il est joueur, Miracle. Il a vu une opportunité de bait ses adversaires. Et du coup. Pour ceux qui connaissaient pas le Chaos Knight, c'est vrai qu'on l'a pas vu depuis le début du tournoi, donc on va peut-être revenir un peu sur lui. C'est le concept, c'est un héros de one shot, hein, tout simplement. Mm. Les illusions tapent aussi fort que le héros et crit comme le héros. Donc bah là, on a eu un crit à 300 globalement et bah, c'est illusions qui travaillent. Et du coup, c'est quoi le point faible? Parce que là, il a un stun, il a un truc pour se rapprocher des gens et il one shot les gens. C'est quoi le problème du héros? Ah, c'est le kiting pour moi. Ouais. C'est le kiting. Et la dépendance de l'ulti qui est un gros CD peut-être. Effectivement. Aussi. Ouais. Un peu réglé par les talents, mine de rien. Ouais. Et crit. Qui va trouver un très joli tir. Et oui, on peut contrer là-dessus. Attention avec Shumel qui arrive. Miracle qui est très low, est-ce qu'il peut toggle? Ça passera pas. Oh, très belle ulti, il y a pas du Veno derrière. Kuroki va tomber. Oh, GH qui est pas bien non plus, qui tente de heal son Togepi, mais il est stun. Pas la Cursed Crown, il va tomber sur l'ulti leash. Fly va mourir à son tour. Il nous reste Mind Control et Matumamad qui se battent contre S4. S4 m'a l'air un petit peu seul, il va s'enfuir. 3 pour 3 ça va s'arrêter là, ouais, j'ai l'impression. Et de nouveau un ulti leash qui a fait 12 millions de dégâts, il a fait double kill avec sa leash. Ah, il est énorme dans ce early game fly. Tu sais que ça me donne presque envie de rejouer leash, mais quand t'arrives à un moment dans l'état où t'as envie de rejouer leash, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Hein. C'est l'histoire du marketing encore ça. Hein. T'es en train de voir la pub d'Anon, t'as envie d'acheter un nouveau, leur nouveau yaourt, c'est une erreur. Allez, et Shumel qui meurt à nouveau, mine de rien. Shumel qui peine à décoller. On le sait, c'est un joueur snowballesque, un joueur qui aime être devant, qui aime faire ses solo kills. Et pour ça, bah, on a besoin d'être devant en termes d'économie. Et là, c'est déjà 4 morts pour le carry américain. Enfin, pour le carry. Carry. Oh, non, 50-50. 50-50. Allez! On m'annonce dans l'oreillette que Sox est perdu. Sox vient de penser à se suicider. Il ne peut pas prendre de décision. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est la première fois. Oh non! Quoi? Quoi? Team Liquid prend l'avantage. 51%, ah, c'est fini. Team Liquid prend l'avantage. Ah, on m'annonce qu'on a réussi à réanimer Sox. C'est bon, Sox is back. C'est génial. Infâme. Allez, 14 à 17, 18 minutes de jeu, pas d'avantage pris pour l'instant. Vous voyez, tous les corps pour l'instant sont égalité en termes d'économie. Léger avantage dans les supports avec ce Wisp qui, en plus, débloque maintenant le talent d'XP. Mais voilà, on est pour l'instant sur des valeurs très faibles. Les premiers teamfights vont bientôt s'engager et c'est là que les avantages vont pouvoir être pris. Avec S4 qui joue un peu avec ses adversaires. On a entendu le bruit de Mame, ce qui veut dire que là, Albard est quasiment terminé sur le Venomancer. Mm-hmm. Il a un build très tanky. Hein. Ça paraît pas comme ça parce qu'on voit 1300 HP. Mais bon, avec là, Albard, il aura de l'évasion, il a le Hood pour se protéger. Il veut passer ses portraits en force. Ouais, ça devrait aller. Très très dur à tuer. Et Shumel nous fait un build très agressif avec l'Orchid. On a vu plusieurs Storms récemment faire des Bloodstone en deuxième item après le Kaya. Donc beaucoup plus axé grid, on va dire, hein, économie, avoir beaucoup beaucoup de ressources, pouvoir farmer un peu toute la carte. Avec l'Orchid, il a envie de tuer. Et on va voir avec qui est-ce qu'il va joindre ses forces pour aller tuer peut-être dans la game. Ça va probablement être Artesi, donc des moves à deux corps avec cette dagger fraîchement acquise. Restaurateur Matumbaman, il commence à essayer de contrôler la zone. Les bounties arrivent d'ici une dizaine de secondes. Uh-huh. On va avoir du contest de ce côté-là. On voit que Miracle et GH ne sont pas du tout là, donc c'est une prise d'information à 3. Ça va être 2 pour 2, j'ai l'impression. On est sur le nord de la carte de la part de EG, sur le sud de la part de Liquid. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce Chaos Knight? C'est un petit éco-sabre. On en voit pas tout le temps sur les Chaos Knights. D'accord. Donc il délaie aussi énormément une éventuelle BKB qui pourrait arriver. Mm-hmm. On va voir s'il s'en mord les doigts à un moment ou pas. On part pas non plus avec un build avec pas mal de stats, comme par exemple sans GHA qu'on voit des fois t'as les mantins un peu plus tôt qui auraient eu du sens dans cette game là, mantins. Oui. Oh oui. Ça s'appelle le Cursed Crown, ce genre de choses. Ouais, ça permet de perdre l'utilige, enfin. Ouais. Moi j'aurais beaucoup aimé la manta effectivement. Mais bon, son choix est fait, ce sera l'Echo Sabre. Oh méca sur Louis déjà. Ah il est bien dans la game, hein. Il est très très bien GH. C'était un des héros, je pense, le plus respecté sur les deux dernières années, ce Wisp de Team Liquid. Et ici, bah voilà, le héros a été pas mal changé. Le héros est beaucoup moins respecté maintenant dans la phase de draft. Et on va le tester. Fly, il va TP Fontaine, il n'y a pas de coq-en-sel. Il y a Shumel juste à côté de Fly. Je pensais qu'ils essaieraient peut-être de bait un peu ce Veno. Il y a beaucoup de monde là-haut. Et en haut, on a trouvé des gens. Hein. Ok, c'est bon. Yeah. Ça fait très peur les joueurs de EG. Avec le départ de la Lich, je pense que le cool a été donné de ne pas rester, de ne pas prendre ce fight. Invisibility. Et du coup, on va aller à l'opposé, prendre le farm. On commence à les connaître, hein, CEG. On est sur une des équipes les plus macro-game de STI. Cherche à occuper la carte. On cherche à prendre des fights avantageuses. Et ici, ils sont peut-être fait avoir, puisque les TP en bas de beaucoup de corps libèrent l'accès à Roshan pour
pour Team Liquid. Est-ce que c'est senti à ton avis? Ah oui, oui, ça a été ping par Fly avec sa liche et la smoke a déjà été engagée, il s'approche. Mais on l'a senti aussi du côté Team Liquid. On a vu des mecs disparaître de leur lane de farm. On s'attend à ce qu'on ait une fight cherchée de la part de Evil Geniuses. Il est énervé, Miracle, il a envie de forcer. Ils ont envie de prendre cette fight. Et ce qui est marrant, c'est que les deux équipes ont l'air d'avoir envie de la prendre plus ou moins. Artesi est toujours en haut pour le moment. C'est vrai. Shuma il est assez loin aussi, hein, à gauche. On joue un peu à l'intox de la part de S4. Crit aussi. Attention à lui d'ailleurs. Ça peut aller assez vite. C'est quand même une très bonne game de Weaver parce que les stuns, à part le Chaos Knight, tu crains vraiment pas grand chose. Hein. Ouais, c'est un projectile le stun Chaos Knight. Donc ça, effectivement. Honnêtement, t'as envie de faire Lincoln non, dans cette game pour. Moi je suis complètement d'accord. C'est une des rares bonnes games à Lincoln Weaver. Allez, Miracle qui a pris le contrôle de la fameuse colline, la colline de la mort, qui attend sur le high ground de ses adversaires, qui contrôle la zone autour du roche, et c'est bien ce que fait pendant ce temps-là Artesi. Il a mis beaucoup de pression sur cette tour. Attention, un éventuel relocate sur une engage de main control. Tout va bien. Rilo, c'est en bas. C'est en bas, c'est pour des poches. Est-ce qu'elle a pas été quand celle-là? Non, c'est là. Bah c'est crit, mais attention parce triste, que là, s'ils arrivent à trouver d'où ils viennent, ou s'ils arrivent à engager maintenant en haut, ils ont potentiellement une fenêtre de 10 secondes. Hein. Ouais. Oui, il y a le courrier aussi qui pourrait se faire sniper ici par S4. Il a pas l'air de l'avoir vu, j'ai l'impression. C'est la nuit. Si t'as vu sur la minimap, Creep qui a essayé d'aller finir la tour à droite avec son DD. Uh-huh. Il a forcé une glyph. Ah, bien joué. Hey, ils partaient du pit de rush, ils sont de retour dans rush. Tout à fait. Miracle et GH. Tout à fait. On est vraiment sur une game de détails, de positionnement pour l'instant. On sait que c'est les fights à rush, c'est une des plus grandes forces de Team Liquid. Et on va voir si EG réussit à contester celui-là. Pour l'instant, ça m'a l'air bien parti pour Team Liquid. Ouais. Le Storm y va. Le Storm y va essayer de voler la Aegis. C'est un peu tôt, malheureusement. Un petit peu tôt. Il l'a fait complètement à l'aveugle, hein, Sumail. Ouais. Ça aurait été énorme. On n'a pas encore vu beaucoup de skill de la Aegis dans ce Roshan. Il y en a eu beaucoup l'année dernière. Il y a eu un petit peu de l'acétite de Roche dérobé aux équipes, hein, à l'image du duo précédent avec le Wisp qui récupère le l'acétite. Et on va aller terminer cette tour en bas de la part de EG. Ça devrait être faisable assez facilement si on y va en bas d'or. Ouais. Alors, je crois qu'elle est vraiment très 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 lourde. Ce qui est intéressant dans le positionnement de S4, vous voyez, il joue toujours très proche des adversaires. Du coup, quand Liquid se déplace sur la carte ici, par exemple, pour essayer d'aller tuer Crit en bas, et bah il tombe sur S4 en premier en fait. Et S4, qu'est-ce qu'il est dur à tuer? Ouais. Et du coup, il encaisse. Un peu la manière d'un position 5 sacrificiel qui ferait barrière de son corps pour encaisser les smokes adverses. Sauf qu'ici, on ne meurt pas. Non, on parlait du problème de l'Ursa de se faire kite un petit peu, de se prendre le stun Chaos Knight, etc. Il a une BKB, ça va beaucoup l'aider pour tout ça. D'accord. Ça devrait pouvoir lui permettre de sécuriser les kills. Il a pas encore le basher pour pouvoir faire vraiment les kills tout seul. C'est ce que j'allais dire, il a pas cette capacité de solo kill. Et je trouve que ça va bien avec le style de jeu de EG pour l'instant qui est en train d'endormir cette game. Ouais. On va voir comment est-ce que Team Liquid décide de rentabiliser cette Aegis fraîchement achetée. Alors ils ont la possibilité de jouer en 3 plus 2 dans cette game. Alors 3 plus 2, simplement d'avoir exactement ce qu'on a pour le moment sur la carte. 3 joueurs de Team Liquid en haut et le Wisp et son partenaire ailleurs sur la carte. Et simplement les 3 joueurs cherchent à mettre de la pression, à pouvoir potentiellement forcer une fight, forcer EG à se regrouper tout seul à un endroit. Et si fight il y a, on relocate, on ramène tout le monde. Et si fight il n'y a pas, c'est la paire de 2 héros qui en profitent énormément. Et du coup, bah, le contre à ça, c'est très simple, c'est que vous allez chercher les 2 héros qui sont tout seuls parce que les autres ne peuvent pas relocate dessus. Enfin, c'est très simple, non, parce que il faut savoir où ils sont et puis il y a potentiellement d'autres zones de TP. Mais la théorie est simple. Ouais, on est en place en bas de la part de G. On a vu arriver une dagger sur le Venomancer. C'est-à-dire une vraie volonté d'accélérer un peu de la part de Team Liquid, de chercher l'opportunité dans les failles des déplacements de G. Tu le disais, EG a endormi la game, hein, on l'a vu tout à l'heure sur les graphes qui nous ont été montrés par l'OP. Ça fait à peu près 10 minutes qu'il ne s'est plus passé grand chose d'autre que ce Roshan qu'on a pu voir. Et dans une game où il se passe rien, hein, c'est dur de rentabiliser une Aegis. Oui. On va préparer un Hex sur Matumbaman avec son Venomancer. Donc lui, il commence à être énervé par tout ça, il a envie d'avoir ce potentiel de. Ouais, oh, il s'est go. Rien avec la Albert. Non, il peut pas le tuer là. Je pense pas. Hein. Alors, il a pas évidemment son ulti S4, mais. Il a pris le talent de mana break d'ailleurs, S4 il est sur quelque chose de plutôt offensif. D'accord. Bon, il est quand même assez bien, hein. Level 15 déjà, il ferme énormément dans cette game. Je crois qu'il a pris le talent de mana break, il me semble. Hein. Je trouve qu'à droite c'est mana break. Ouais, c'est ça. Après, la partie est quand même passée d'un rythme très élevé à un rythme beaucoup plus lent. Donc peut-être qu'il a pris le talent de mana break parce qu'au début ça allait vite et puis ensuite il s'est rendu compte que. Tout à fait. Que la game s'endormait un peu. Allez, on clean ses yeux de ce storm.
Regardez le positionnement de EG sur la carte, hein. C'est vraiment, on a Sumen qui farme les bois à gauche, on est deux positionnés en haut à remonter la ligne, deux positionnés en bas, et on force Liquid à séparer. Liquid qui a pas des très bons héros pour remonter la ligne, c'est une des faiblesses, tu peux demander les faiblesses du Chaos Knight tout à l'heure, c'est aussi un très très mauvais remonteur de ligne. C'est vrai. Il vient de finir BKB à l'instant, Miracle avec son Chaos Knight, il a un Pilocator en haut. Ouais. Avec pendant cela Kurugi qui s'est fait massacrer sur le BKB d'Arthesi, et derrière qui sait qui s'est fait attraper, c'est la liche de Fly. Donc on trade support pour support là-dessus. Exactement. Est-ce que le fait que ce relocate soit en cooldown est un problème? Je pense pas. Non, pas spécialement. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec le BKB d'Arthur. C'était la fin de son TP, il était toujours en BKB? Ah oui, justement, ouais, il a activé son BKB pour le kill. C'est qui dure très longtemps, ses premiers BKB. Ouais. Et ensuite, il a TP au shrine. Peut-être essayer de tomber sur main control avec son enchantress. Donc ouais, Miracle BKB fraîchement acquis qu'il a presque envie d'essayer d'utiliser dans les fights, hein, toujours. Mm-hmm. Et Art of Tarascon. Et il garde un énorme taux de farm, Miracle, hein. C'est lui le premier au Net Worth maintenant. Alors évidemment, on lui laisse plus de farm, parce qu'on vous l'a dit, ça va pas très vite. Arthesi fait surprendre ici. Et c'est le stun 4 secondes et les boulettes du Wisp qui viennent récupérer le kill. Il se sentait safe, hein, avec ses wards posés un peu plus loin dans la forêt, mais malheureusement, Long, y compris Miracle et GH, il ne l'avait pas vu venir. Attention mid. Ouais, avec la Dark Widow qui va essayer de venir joindre ses forces, le Bedlam qui ne va pas forcément être enchaîné, on va juste stun Mind Control et reculer. Pas encore réussi à utiliser cette Orchide qui est sortie sur Sumail. On a parlé de solo kill, pour l'instant bah, ça n'a pas forcément été très utile. Est-ce que quelque part c'est pas un peu du coup... on dit EG qui a envie d'endormir la game, tu penses que c'était leur plan dès le début? Parce qu'on vient quand même... Kuro. Il va y aller, l'attaque. Il a son stun Kuro qui casse ou pas? Oh, multi-cast. Oh, il meurt quand même, et du coup on peut repartir de la part de SOA, ouais. qui va agresser, hein, pendant ce temps-là. Sumail n'arrivera pas à tuer cet enchantress. Il a plus beaucoup de mana, effectivement. Tu veux pas lui relocate dessus là? T'attends qu'il fasse le jump il et tu relocate là. Il a les regrets ou pas? Non, il est en cooldown ouais, encore. Ouais, mais il a pas Miracle de toute façon. Attends, ah, il va l'avoir dans quelques instants. Ils vont vite tous les deux, ils vont très très vite. Slow. TP de la part de Crit, le Fear, il est pas suffisant. Aïe aïe aïe, the king is down. Mais est-ce qu'on récupère Mind Control en contre-engage? Oui, oh, attention. Est-ce qu'on récupère GH en contre-engage? Bah oui, j'ai l'impression aussi. Est-ce qu'on récupère s'arrête pas, hein. Matumbaman en contre-engage? Il a loupé le clap. Raté. Mais c'est pas grave, la liche. Alors Crit va mourir. Crit va mourir, mais il donne sa vie pour ce kill sans aucun problème. 700 gold pour Fly, et ici Liquid qui overextend un petit peu, ouais. Ça fait toujours plaisir de tuer Sumail, mais bah parfois on est puni pour ça. Ouais, allez chercher le king, vous avez la lignée qui n'est pas contente. Et une bonne opération là pour EG qui a réussi à endormir sa game jusque là et qui maintenant commence à prendre les premiers trades qu'ils veulent prendre, et les trades à leur avantage, surtout très défensif. Là on nous remontre un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure avec les deux supports qui vont finir par tomber, hein, Fly et Kuroki là-dessus. Et Kuroki qui n'est pas très content de ça. Ouais. Enfin content et pas content en même temps. On sait pas exactement. Je sais pas trop ce qui le fait rire, parce que ça veut dire qu'il pensait pouvoir s'en sortir, ou qu'il y a eu un coup de chance ou quelque chose comme ça. Qu'il a surpris en tout cas, parce que... Peut-être qu'il ne l'avait pas vu, bêtement. Tu sais, t'as cliqué sur la liste pour rejoindre tes potes et ton héros est mort entre deux parce qu'il s'est fait attraper par un ours dans les bois. Et du coup, il va se dire, mais pourquoi il a activé BKB? On regardait même pas mon écran. Ce qui est une possibilité. Allez, BKB qui est arrivé sur la waiver de S4. Et Linkel en préparation. Donc vraiment, on joue sur quelque chose de très split push, très défensif. Mais je pense que... Alors, je sais pas si leur plan était là dès le début de la part de G. En tout cas, je trouve que c'est un plan intelligent face à Chaos Knight. Mm-hmm. Parce que c'est pas drôle, Chaos Knight, quand on se fait split. Et voilà, et c'est là où je voulais t'emmener tout à l'heure, c'est que du coup, si c'était leur plan... Est-ce que c'était vraiment leur plan de prévu de base? Parce que le Storm a pas fait Bloodstone, parce que la Weaver a pas pris le talent d'XP, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Peut-être qu'ils ont senti au début qu'ils pouvaient emballer la game, et que bah il y a un ou deux teamfights qui les ont calmés. Et ça, du coup, c'est plutôt leur plan B en fait, un peu quelque part. Ouais, ça ressemble, hein. Alors, Nina il a bounty rune de la part de Matumaman. Du coup, ça ne révèle pas spécialement la position des joueurs de EG qui sont très très proches de lui. Il est tanky Matumaman, mais plus tant que ça. Maintenant, il a quand même dépensé 2000 gold dans cette dagger qui l'aide pas à survivre. Peut-être pouvoir catch Sumail sur un peu de chance. Non, ça n'arrivera pas. On a Dust au cas où il y avait la Weaver en fait, dans le coin. Ils étaient en smoke, donc la smoke s'est fait révéler. Et il y a quelqu'un autour de nous, c'est potentiellement quelqu'un d'invisible. On tente la Dust. Et celui qui est en train de tomber un petit peu au network, c'est Mind Control pour l'instant. Est-ce qu'on s'inquiète pour cette enchantress? Écoute, non, parce que c'est pas comme s'il se faisait distancer par la totalité des corps. Il se fait mettre un K par Sumail et par S4. Et même son Venom, qui est plutôt pas mal dans la game, n'est qu'à un K devant lui. C'est pas encore trop dramatique. Non. Moi j'ai un buffer pour lui en fait, pour accéder à ce late game face à des héros comme Ursa, Weaver qui vont pouvoir vraiment le défoncer. Je pense qu'il va pas trop falloir qu'il s'abrutisse à faire des items pour essayer de rester en vie en fight comme des BKB ou des trucs du genre. Je pense qu'il serait mieux à partir sur un Hex et... Je suis d'accord avec toi. Alors la pike, je pense qu'il l'a déjà, évidemment c'est son arme contre Ursa.
Et t'as vu ce qu'il vient de prendre Shimail? Ah, donc il y a un agaliment en préparation. Exactement, il et a choisi. Ça, c'est fort contre CK. Il a choisi le talent qui fait durer plus longtemps son grappin. Généralement, on préfère prendre l'attaque speed. Et le rare cas où vous prenez ce talent là, c'est que vous avez envie de prendre l'agaliment pour avoir ce grappin en AoE. Et comme le disait Voja, ça permet d'attraper le Chaos Knight et toutes ses illusions. Ouais. Et potentiellement, t'as un Wisp dans l'équation aussi que tu peux attraper avec tension à Flight. Fly, ouais. Mort de plus. Hermurlish qui taffe bien. Il a envie de lâcher son ulti. Il va le faire. Ce sera pas grand chose. Ça va juste faire blop. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait, Crit là? Il a vu le courrier, il voit le courrier qui est juste à gauche sur une ward. Ah, tu crois que c'est ça qu'il veut? Ah, bah je pense. Hein. Il va le voir repartir. Roshan est de retour. On a même pas vu d'ailleurs le dépop d'Aegis tout à l'heure. Regarde la chick qui va l'avoir. Crit, c'est un homme en mission. Il a revu maintenant. Allez, il faut y aller. Et bah. Déception de la part des casters français. Allez, voilà, Roshan, pas contesté du tout, hein. C'est-à-dire que le plan de jeu de EG pour l'instant, il leur va parfaitement. Et on va voir, c'est toujours impressionnant, je trouve, quand une équipe très forte comme Liquid se fait speed push, parce que généralement ils trouvent des ouvertures pour finir la game qui sont mais complètement illisibles pour le commun des mortels. Ah, nous, ça nous arrive en game comme ça de se faire speed push, déjà de 1, on rage, et de 2, on perd. Parce exactement. Qu'on sait pas comment réagir. Exactement. Et qu'on réagit mal. Et qu'il y a un mec qui se fait pick up et que c'est la crise. Oh, Kuroki, on l'attend au désescalier. C'est pas la colline de la mort, mais tout comme. Ça, c'est, ici, c'est le. Et les joueurs l'appellent le triangle, la zone ici, parce que c'est les trois camps en triangle. Et quand tu te fais tuer, c'est le triangle des Bermudes. Franchement, t'es perdu au mauvais endroit. Hein. On va prendre la fight quand même côté Team Liquid. Attention, un Miracle s'est fait engager, il s'est fait bash. Il a rien eu le temps de lâcher. Le pauvre Miracle dans le Taïs qui va tomber. Il tombe là, Aegis. Hein, mais c'est déjà une bonne opération. Et on tue le Wisp derrière. Non, c'est le vélo, pardon. Mais tout le monde meurt en fait. Le vélo et le Wisp vont mourir. Miracle va reprendre la fight, embarquer avec lui. Arthur, Artesi, le buyback de Kuroki qui est venu aider un peu ça. Et ça va s'arrêter là-dessus. Je suis curieux de voir le récap. Je pense que j'ai assez content de l'histoire. Il y a un buyback au Grumagie en plus. Ouais. Une Aegis de dépop. Ils se font 5000 d'expérience. Pas mal du tout, hein. C'est pas assez. Oh, attention au mid. BKB de la part de main control. Eh bah, il est content, Shumail, d'avoir forcé tout ça. Est-ce qu'il est en danger? Avec la Weaver qui arrive. Il peut le finir, hein. S4. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud pour main control. Ah, oh, ouais, il est et là. Ouais, c'est Crit qui vient finir le kill. Le Chaos Knight qui arrive. Il y a Kuroki qui est là aussi. La Lich qui va pouvoir mettre cette armure sur S4 pour l'aider. Oh, à il s'est pris le stun. Aïe aïe aïe, le Fear arrive. Oh, il est le Fear. Quel joueur! Quel joueur! Mais il arrive pas à finir le kill pour l'instant, non, le Tilish! Oh ouais, Crit qui plie pour finir le kill! Oh, ça joue bien! Oh, Yahoo! Indeed! Oh là là! Ça, et c'est toujours particulier ces games où voilà, on a une des deux équipes qui endort la partie parce que ça part tellement rapidement. Ah ouais, ouais. Il faut pas. Nous, on est en train de s'en tenir parce que nous, on est viewers. On est là en train de se dire, bon, il se passe plus grand chose là. Mm. Ah oui, ça farm, ok, très bien. Mais les joueurs, eux, ils sont en permanence en train de chercher des opportunités pour faire péter la game, voir des erreurs de leurs adversaires. Et du coup, quand ça part, c'est toujours très surprenant. Énorme travail ici, attention avec Shumail au mid. Ouais. Oh, il a eu chaud par Miracle. Oh, il a eu chaud, c'est la Lich qui va se faire exploser. Par contre derrière on va essayer le contrer avec GH qui est un peu hors position. Le Storm qui revient. Ouais, il vient, il chope le GH. C'est et il va tuer GH. Par contre, on s'est éloigné de la part de Miracle qui va s'en sortir sans problème. GH qui débloque déjà son talent de niveau 20. Qu'est-ce qu'il est bien dans la game avec les 150 GPM qui arrivent maintenant. Ah bah voilà, je me disais tout à l'heure, je voulais citer un truc en termes de talent. C'est le Veno qui nous a pris le Gale qui fait pop les deux wards. Ah, j'ai envie de dire assez rare, ouais. Qu'est-ce qu'il y a en face? C'est la OE de la Nova. D'accord. Ou est-ce que c'est la durée? Non, c'est durée d'abord. C'est plus 7 secondes de durée sur la Poison Nova. La Poison Artesi. Artesi qui s'est fait attraper par Miracle. Il a eu le temps d'ulti par contre. Il y a le Fear qui vient protéger. Ce qui peut contrer du coup sur Miracle. Oh, j'ai l'impression qu'on va le perdre. Position 1 de Team Liquid. Effectivement. Il y a le soir en plus sur Matou Maman. Attention Matou, il peut pas blink. Kuroki qui est là pour essayer de l'aider. On pose une sortie. On va essayer de stun sur S4. Il n'y a pas encore la Lincoln. Oh, le Bloodlust pour qu'il court plus vite. Non, Crit va venir régler le problème. Le E est là. Non, il va tomber, hein. Il va tomber, il n'y a plus de soir, mais c'est pas grave. Et EG qui est en train de prendre un peu l'avantage dans cette game. C'est marrant, ils prennent l'avantage sur Liquid dans une game lente à leur tempo, tu vois. Mais oui, et ils imposent leur jeu à Liquid. Hein. C'est très rare de voir Liquid se faire imposer un style de jeu comme ça. Et regarde-les, ils continuent à mettre la pression un peu partout. Artesi qui va se prendre un ou deux impetus en retour. Rien de bien dangereux pour lui quand même. Ah, il est fine. Quel travail de S4 hein, dans cette game avec la Weaver. C'est lui le principal artisan du speed push, mais il est aussi présent là sur les kills. Et on a notre agaliment quick buy de la part de Sumer. Exactement. Oh, exactement. Je crois qu'il a changé pour Shiva, mais bon, bref, pas grave. Il y a peut-être un agaliment quelque part qui arrive. Oh, pour moi, ça va arriver. S'il y réfléchit, s'il a pris ce talent, il y a de grandes chances que ça arrive. Mm-hmm. Notre Willow qui a quasiment fini un AON disque. On a des vrais bons items qui sortent côté EG là. En entrée, il y a toujours un cheat sur le Wisp. Ça peut faire une différence à un moment. C'est vrai.
Ils ont un très bon focus pour l'instant de la part du Wisp. Oh bah en parlant de ça, il a eu le temps d'activer son concepteur, le Force Staff qui arrive. Et il a souci si besoin, Sumel qui va reculer. Vous l'avez compris, hein, la target numéro 1 pour OG, c'est ce Wisp. On veut le sortir en premier. Et GH qui doit être irréprochable sur son placement. Est-ce que tu peux le sauver en fight s'il se fait jumper dessus par le Storm? On a vu un Force Staff là pour essayer d'aider un petit peu. Il a ce concepteur pour gagner un peu de temps. Il a envie d'avoir des griffes, je pense, assez rapidement pour pouvoir se dispel le silence de l'Orchid. Ouais. Et je pense que derrière, c'est BKB, Undisk et tout ce qu'il faut pour rester en vie. C'est ça, il va le faire avec son propre income, avec ce GPM qu'il a débloqué. Il va pouvoir s'acheter ses items, quitte à faire vraiment à aller all-in sur le défensif, comme tu le dis, quitte à faire BKB à Undisk. Ah, moi, j'adore les BKB sur Wisp. Tu peux vraiment rien faire pour arrêter ce héros qui full heal ton carry. Allez, attention, petit stun. Donc, vous voyez le gars qui a fait pop de petites wards pour. Et on va essayer de punir un peu. Oh bah on a trouvé une liche. C'est pas sur elle qu'on voulait partir. Mais c'est pas grave, on prend le kill. Est-ce que Sumel veut contre-engager là-dessus? Non, il est à l'autre bout du monde. D'accord, ouais, on a essayé de go au mid sur. Attends, mais ils ont tué Malcontrol. On a tué Malcontrol, j'avais pas vu ça du tout. Exactement, on avait vu la fin du move finalement avec Sacre Magie. On pensait que c'était lui qui se fait go. Mais pas du tout. C'est l'Abyssal, l'Arthésie sur son Ursa qui a vu Kuroki. Ouais, attention, il y a Miracle pas loin. Et Miracle va y aller. Il va sortir le fantasme. Le Fear qui arrive. Et Miracle a trigger BKB. Les élus vont se barrer et aller faire un petit tour. Mais le héros est là. Il est sur place, il est content. Et il découpe l'Ursa de Arthur. Allez, ça reste quand même un BKB, un fantasme. On récupère le carry adverse, c'est vrai. Mais ça va pas nous aider à remonter les lignes, ça va pas nous aider à sortir cette Weaver d'en haut. Ah, Esfort qui fait un gros travail là-dessus. Ils ont le contrôle de cette carte pour l'instant, Evil Geniuses. Et tiens, tu citais l'ulti Chaos Knight aussi tout à l'heure en parlant de ce qu'il apporte en termes de damage output et de tanking. Les élus restent terriblement longtemps aussi. Oh oui. Mais bon, ils ont de quoi le gérer. Oui. Ils ont de quoi que ce soit le Fear pour faire back les élus. C'est ça, qu'on a déjà vu à beaucoup de reprises. Des dégâts à eux, des contrôles à eux, mine de rien. Avec le Storm qui peut slow en AOE, grâce à Shiva. Je pense que la Ganym peut être vraiment, vraiment inquiétant pour Miracle. Oh, un petit ex de sortie sur Matumba Man. Enfin, ça fait tellement longtemps qu'il travaille dessus. Ça peut être la porte de sortie pour Team Liquid. Hein. Ouais, ça peut être le moyen de punir cette Weaver. Alors elle va avoir Lincoln bientôt, hein, mais on trouvera un moyen de casser elle sur la porte. D'ailleurs, je crois que la Lincoln, elle est finie à l'instant. Il a lui-même, hein, il a cette halbarde pour casser la Lincoln. Donc il va pouvoir blink halbardex. J'aimerais bien que Man Control en sorte un aussi sur son Enchantress. Pour l'instant, il s'est concentré sur des items de tankiness. Ouais, avec même une Plate Mail en plus qui arrive derrière. Une Lotus Storm, une Shiva, ok. Ouais, bah il fait vraiment que des aimes défensifs quoi, mais je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Il arrive plus trop à s'exprimer pour l'instant dans cette game. J'ai vraiment adoré moi l'item build de Seb à la game précédente. Exactement, exactement. Vraiment, ouais. Sur la première game qu'ils prennent à PSG LGD. Je pense que l'Enchantress, tu peux en faire un héros durable dans une game, et d'ailleurs son kit naturel est déjà durable. Ouais, bien sûr. Pour reprendre une discussion que j'ai eue sur un canapé en cast avec Sof, on avait vraiment parlé du déso du cleanse, et je trouve qu'on rentre dans le même ordre d'idée. C'est en gros, ton héros a une force. Oh, S4. Allez. Ah bah voilà le mec, magnifique. Attention, le Fear arrive. Faut BKB Miracle. Non, ça c'est passe. Bon, ça passe. Belle présence d'esprit. Ouais. Ça aurait pu mal finir. Certains appelleraient au grid. J'avoue. Du coup, ton héros a une force et t'as le choix de faire des items qui vont augmenter et appuyer sur la même chose. Ils ont vu un midfly. Ah bah oui, bon, quand la. Allez, est-ce qu'on peut avoir la caméra? Oh, il est en bas des escaliers. Est-ce que c'est grave? Cool, ça. Force AFTP. C'est grave. C'est pas de chance. Le Raytheriff qui est un des trucs les plus random finalement dans Dota 2. Et on a tous les héros random sur le côté Liquid. Crit qui va essayer de se faire Matou en solo. Il est très tanky Matou, mais il y a Sumel qui arrive. Oh là là, cette Dark Willow. C'est un support côté EG. Qui vient sortir le mid adverse avec l'aide évidemment de Sumail. Tu disais, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, simplement pour dire que l'enchant dans cette game, c'est peut-être pas super important de renforcer le sustain qu'elle a déjà et la survie qu'elle a déjà. Oh, il crit. Et il l'a, hein. Il l'a. Là, mais contre, ce qu'il regrette pas, il a son cheese à nouveau, il a son mecha, il ne pourra activer ni l'un ni l'autre. Ouais, ça c'était. C'était pas le meilleur de tes moves, ça, GH. C'est dommage, parce qu'ils font ce kill sur la Weaver. Là, on se dit, ils vont pouvoir reprendre du contrôle map, ils vont pouvoir ressortir un petit peu. Et en fait, bah, derrière, ils perdent le Veno, ils perdent le Wisp, et ils sont de retour prostrés dans leur base, Team Liquid. C'est impressionnant, hein, à quel point ça fait mais terriblement longtemps qu'ils n'ont pas réussi à passer la rivière de manière convaincante, ouais, Team tout Liquid. À fait. Et c'est pour ça que quand la Weaver meurt, c'est bien, mais elle avait pas de buyback, cette Weaver. Elle est morte 75 secondes. Mais il n'y a pas de danger, en fait, parce que Liquid a toute la carte à traverser. C'est ouf, hein. Et ils font ça. Ce que j'aime bien, c'est que EG arrive à faire ça avec pas spécialement les meilleurs héros de split push du jeu, quoi. Je veux dire, on n'est pas dans une game Furion anti-mage. Tout à fait. Maintenant, c'est une Weaver qui a pas de contre. Ouais. C'est un Storm qui peut le faire de manière safe. Et c'est à peu près tout. Ouais, voilà.
Allez, il va falloir réagir côté Liquid. L'avantage de Gold commence à se creuser. On arrive quand même à un stade où les Bounty Runes ont énormément d'impact. Elles pop toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, on pourrait dire c'est quasiment 1000 gold pour chaque équipe qui la récupère. Et donc il y en a 4 qui pop. Et quand vous n'avez pas la map, vous n'avez pas les Bounty. Exactement. Il y a du monde avec lui. Est-ce qu'on peut le force staff faire quelque chose? On peut rien faire. Kuroki en Glimmer Cape. Et sur l'eau, je crois qu'on a trouvé un ult sur Miracle. Ouais, mais on va buyback MC. Et du coup, on va battre instantanément du côté. C'est embêtant ça. Hein. Alors, Rush est de retour. Vous avez vu au passage que Sumail est passé level 25. Maintenant, quand il est sur l'ulti, il va mettre des remnants partout sur le chemin. Ce qui est complètement horrible, à la fois en termes de vision ou en termes de bombes, hein, puisque t'as des bombes partout sur ton chemin. Et c'est lui qui est passé maintenant premier au network avec son Storm. Storm qui est un héros qui se caille extrêmement bien en termes de dégâts. Attention par contre à sa survie, ça reste fragile pendant très très longtemps. Et notre prochain 25, ça devrait être, je pense, Miracle, avant que S4 n'en soit pas loin aussi. S4 23, il Miracle 24. Attention, on a chopé Arthesi, le Rift qui part. On a trouvé l'abyssal sur le vrai, ça c'est très important. Attention, avec l'enchantresse qui y va, on vient pour l'aider. C'est trop tard. En attendant, tu es Kuroki, mid. C'est vrai, le Storm qui l'a sauté dessus. On avait entendu le bruit de son ulti. Et on va trouver un petit stock, ça se farm. C'est toujours bon à prendre. Et Roshan est de retour. Hein. On a vu pour l'instant les Roshan, ils avaient eu aucune importance dans cette game. Ouais. Un petit peu en termes d'économie. Ce cheese qui est toujours là, je crois. C'est vrai. Donc mais bon, quelque part, j'ai envie de te dire s'il est encore là 10 minutes plus tard, est-ce qu'il a vraiment eu son importance. Mais il peut avoir un impact. Il peut, tout à fait. Il y a beaucoup d'argent sur le Whip aussi, 5k gold qui flotte sur. Attention, ils peuvent la voler cette Aegis hein, avec le Fear et le Storm. Bah, ils peuvent aller fight, effectivement. BKB, on sort le fantasme de la part de Miracle qui va prendre l'ulti leash, il n'arrive pas à retrouver son Rift. On a trouvé Lio sur le dessus qui est en train d'exploser. Cheese ou pas? Oh, c'est chaud, il y a une bataille sur le dessous et Miracle est tout seul. MC est mort. Ok, le Wisp est de retour, il a buyback. Et dieback sur MC et ils vont retuer c'est le Wisp. Terrible. Non, cheese. Le cheese. Allez, vous pouvez le faire là, Miracle. Est-ce que tu peux tuer Arthesi? Oui. Esport, est-ce que tu peux te débarrasser de la boule? Non, ils sont en train de le faire, Team Liquid, sur cette fight. Oh, et tu mets le buyback et il revient avec le jump. Mais il est ex. Instantanément, est-ce qu'ils peuvent le scan? Est-ce qu'ils peuvent le tomber? Le fear de crit qui fait la différence là-dessus et qui va permettre à EG d'aller sécher les héros restants de Team Liquid. Miracle seul contre le monde. Il reste un Wisp ou c'est un bug graphique? Il reste un Wisp quelque part. Par contre, le Tether est caché. Miracle qui prend énormément de dégâts. Il a une arme là. Est-ce qu'il arrive à toggle? Est-ce que le Wisp peut récupérer le son Tether? C'est trop tard. C'est trop tard. Et GH qui va trouver un creep pour essayer de gagner un peu de temps. Longo Scepter maintenant. Il s'en sort. Buyback de la part du Chaos Knight. EG a quand même pris un gros avantage là-dessus. Hein. Il s'est explosé creep au passage. Il a acheté une dagger après avoir buyback. Oh ouais. Allez, mais suis-moi tout ça là, Miracle. Allez. Il y va, non? Mais il n'y a oui. plus de mana sur le Storm. Bah si. Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il est parti? Il le voit maintenant. Le Storm va y aller, gagner un peu de temps. C'est sa dernière ressource de mana. Buyback de la part de la Weaver. On va essayer de terminer Miracle. Miracle qui BKB maintenant, il veut tuer Sumail. Ça passe pas, c'est terrible. Et là on l'a vu, l'armure Lich qui a fait la différence là-dessus. Il va y aller jusqu'au bout. Allez Miracle, fais-le Miracle. Le Chaos Bolt qui va le tuer, mais il va tomber, ça va être un dieback pour lui aussi. Oh, il se fait 1500 gold en tuant Sumail. C'est vous dire le retard d'économie qu'a Team Liquid dans cette game. Et là ils ont surtout un problème de buyback avec 115 secondes sans le Chaos Knight, 100 secondes sans le Wisp. Recap. Ah bah on le découvre maintenant dans ce TI hein, au fil des parties. Les ressources de buyback sont tellement importantes. Et il y a un autre problème, c'est que le Storm il avait une Bloodstone, donc il a dieback aussi là-dessus. Mais lui il était mort que 40 secondes c'est contre vrai. Les 120 de Miracle. Il est retour dans 15 secondes avec Arthesi. Ils sont que 3 pour push pour l'instant. Et il va laisser le catch Kuroki sous les T4. Il va laisser le faire solo. C'est bon, attention, Ex hein, de Matou. Ok. Il va lâcher l'ulti directement. Ex, Gale. Le crit, il est pas bien là-dessus, hein. Ça fait mal tout ça. On va essayer de le protéger de la part de S4. Matou, il a pris cher. Hein. Oh, le Fear. Oh non, passe Venomancer qui prend la crône et qui va tomber. Il est toujours en vie pour l'instant, le Veno. Il est en Glimmer Cave. Et Sumail qui traverse le fight, qui explose ce Venomancer. Attention par contre à S4 qui est désarmé, qui n'arrive pas à finir le kill. Mais Pletus qui va le récupérer. Dive back hein, sur S4. Tout à fait. C'est la défense incroyable de man contrôlée de Kuroki. Et ça bug avec le Veno. Là, on veut aller challenge Rush, mais c'est trop tard. Arthur s'est jeté dessus. Il y a un refresher shard sur ce Rush. J'ai aucune idée sur qui est-ce qu'il est utile dans la team de EG. Ouais, ils ont pas encore des très gros actifs. Il y a pas encore de Hex de sortie. Il y a moyen que tu te le gardes juste pour un peu plus tard en fait. Hein. Ouais. Pour l'instant, il est pour sur une BKB Arthesi, donc, peut-être. Voilà, mine de rien, double Missile Blade aussi. Oui. Ce qui est pas complètement nul. Et là, alors là on a pop tout les 25. Là, on a pop les 25 de partout. 80% de status résistance pour l'Endrage sur l'Ursa.
la Weaver, elle est venue nous chercher la move speed sur le Shukushi et on va pouvoir revoir cette fin de fight à partir du moment où Miracle va deep quand même. Il va deep. Et c'est énorme ce que fait Sumail, je trouve, ici, hein, parce que il se sacrifie pour sauver ses coéquipiers et permettre le kill sur le carry adverse. Ouais. Il sait, il se doute, je pense, qu'il va mourir là-dessus. Mais il sait que c'est worse. Le king. Et le king. Et ça se joue à rien, hein, pour le récupérer. Et encore une fois, une énorme gestion du Wisp. Hein. Le Wisp, on lui court dessus, il a pas le droit d'aider son coéquipier. Allez, 8000 gold d'avance pour Team Liquid. Un avantage en termes de buyback, notamment avec la Aegis, hein, qui te protège, qui te permet de ne pas avoir à buyback sur certains de tes héros. Mais on est toujours dans un mouchoir de poche. Et on est entré dans le money time là. Oh le DD. Je connais une équipe qui a gagné dans International sur le DD, hein. En plus. Et il a pris la durée. Non, il a justement pas pris la durée sur le Chaos Bolt au 25. Il a pris la réduction d'armor sur le Rift. Donc il cherche vraiment à faire du one shot sur ce Reality Rift. Plutôt que de disable un peu plus longtemps ce Storm justement ou cette Weaver, ces héros un peu évasifs. Ok. Qu'est-ce qu'elle est tendue cette game. Vous voyez que l'IA a choisi son vainqueur pour eux. CEG qui a l'avantage dans cette partie. On va voir si ça se confirme. Économiquement, ils sont légèrement devant. Maintenant, on le sait, dans le late game, ça peut aller très vite avec tous ces buybacks qui ont été consommés des deux côtés. Et qu'est-ce que ce serait difficile pour Team Liquid, hein, défenseur de la Aegis, défenseur du titre, de perdre cette première game et de se retrouver, tu le citais tout à l'heure, dos au mur. Ce serait véritablement dos au mur à une game d'élimination. Et avec un Yu en plus, avec l'Orio. Alors on les a vu remonter le lower bracket pour l'instant à coup de Brood. Cette Brood qui a été respectée par Roger. S'ils pouvaient gagner et le ban Brood et le ban Yo, ce serait horrible. Tu C'était leur travail de l'année passée, hein. Exactement. Exactement. C'est comme ça que Kuroki, le capitaine, aime fonctionner. Il va forcer des respect ban de la part de ses adversaires. Et là ils sont vraiment dans une game importante, puisque il faut aller chercher ce respect ban sur le Yo, qui pour l'instant est parfaitement géré par Evil Geniuses. Je rappelle que le perdant de ce match termine à 4ème. Le 3ème ira affronter PSG LGD un petit peu plus loin. Ils l'ont vu disparaître, cet invis. Ouais. Et ça, on va y aller. On va sur le Wisp, très loin. Et Miracle dans la fontaine qui lâche son fantasme. Il n'y a pas de fear par-dessus ça. C'est qui qu'on est en train d'essayer de tomber. Il arrive le fear, il est raté sur les élus. Le fear par contre. Arthur, le force staff, il est un peu raté malheureusement. Il est au milieu du tas. Mais Sumail qui est en train d'essayer de faire la différence. Il est low en mana, Sumail, quoi qu'il en soit. Arthesi va être le premier à tomber. Ultilich qui fait des boons monstrueux là-dedans, j'ai l'impression. Il m'a tout essayé de s'extirper de la fight, ça ne passera pas. Miracle qui reprend, qui tente de terminer crit. Est-ce qu'il peut le faire. Il y a la Aegis qui va tomber sur le Storm Spirit de Sumail. Ils ont verré loin un tout petit peu plus loin. Le Storm qui va de retour. Full HP, full mana. Ultiveno a fait énormément de travail. Il a touché toute l'équipe de EG. Et on a trouvé quelque chose d'assez intéressant, c'est que maintenant les Illus CK ont des pop aussi dans Teamfight. Hein. C'est vrai. C'est important en late game, c'est assez rare d'avoir des Illus CK qui meurent. Et il y a un Taras sur ce Wisp. Mais oui, il y a un Taras sur ce Wisp qui va transmettre du coup la régène. Il peut maintenant avoir son troisième sort en permanence. Alors bon, c'est un peu pénible en termes de mana cost, puisqu'il va être toujours à 0 de mana. Par contre, ça permet de heal en permanence. Ton coéquipier. Ouais, si jamais t'es pas mis en combat en fight, etc. Ouais. Et il a pris la relocate cooldown d'ailleurs au 25. Oui. Et on a choisi un Skadi sur le Chaos Knight. Oh. Ce qui est vraiment un choix de tankiness. Ouais. Je suis étonné qu'il ait choisi ça plutôt que de faire un deuxième Taras. Je vois pas trop ce que ça lui apporte de plus. Moi aussi, j'ai du mal à voir sur ce héros l'avantage du Skadi par rapport au Taras. Mais on a envie d'engager. Attention au Wisp qui s'est fait attraper par Sumail. En BKB, il faut aider GH. GH qui est low HP. GH qui s'en sort. Il arrive à reculer du fight. Pour l'instant, on n'arrive pas à le terminer. Et Miracle derrière qui va pouvoir attraper peut-être S4 qui s'enfuit. Il a emporté Kuroki avec lui. Mais c'est juste un petit ogre magie. Et son Taraska a commencé à tick à GH. Et les deux mois sont full HP. Il y a toujours Redford en point en haut. Tout à fait. Attention, ouais. Attention à pas se faire toucher par les boulettes là. Oh, elle est tellement tendue cette game. 50 minutes de jeu. Et honnêtement, aucune équipe a vraiment pris l'avantage pour l'instant. Tout le monde va récupérer ses cooldowns de buyback. Et on passe la barre des 80 kills sur le prochain. Oh, c'est énorme. Oh, on en parlait. Quel TI. Quel TI en termes de méta, de style de jeu, c'est vraiment, il est génial. Moi je me régale, mais encore plus qu'un gamin dans un magasin de bonbons, il n'y a pas de problème. Parce que là on parle quand même d'une game où EG a endormi la game pendant 10 minutes. Ah ouais, donc il y a 10 minutes où, on va le dire, on s'est méchés. Il s'est rien passé, il s'est rien passé pendant 10 minutes. Et là c'est bon, on est de retour. Le money time est activé. Alors on en ressort tranquillement de ce money time, puisque les buybacks sont de retour. Maintenant attention, on a dépassé la 40e minute de jeu. C'est à dire qu'on a des power runes, des DD, des ace, des arcanes, des régènes qui pop en haut et en bas de la carte toutes les 2 minutes. Donc l'équipe qui a le contrôle de map, elle peut mine de rien récupérer énormément d'avantages grâce à ça. Ah bah, je crois que c'est une des premières fois que tu vois ce graph être aussi even en termes de gold farmé et de gold perdu sur les morts. Ouais. Terriblement even. Allez, il y avait Kuroki.
Et vous voyez, cette différence de kill, elle a apporté que 2k gold de plus. Parce qu'évidemment, ça dépend qui tu tues. Kuroki probablement a dû beaucoup mourir avec son ogre magie, mais il rapporte très peu d'argent aux adversaires. Et le call a été donné, hein. C'est lors des Taras côté Liquid, il y en a un sur l'enchantress. Ouais. Et on commence à sortir des ex aussi. C'est un item qui fait la différence dans le late game. Il y a un peu deux façons d'aborder cette game, hein. Soit tu cherches à être invulnérable, intuable, c'est ce qu'essayent de faire certains héros de Liquid. Soit tu cherches à avoir du disable pour pouvoir sortir ton adversaire avant qu'il ait le temps de réagir. Et une relocate pour des push. Ouais, avec le moins 60 secondes de cooldown, c'est pas trop. Ah, c'est ça qu'il a pris 25. Ouais. Ok. Il n'a pas que 30. Très bon coéquipier pour prendre l'autre talent qui permet d'attaquer, enfin de lancer une attaque à chaque fois que ton coéquipier attaque. Et ils sont partis justement où Arthezi arrivait en bas. J'ai pas vu s'il avait préparé son Unifier à Arthezi. Pour être intéressant face au Gocepteur. On a vu S4, la Sentry. Oh, il va tellement vite. Ouais, avec la move speed du Shukushi là. Oh, il a vu. La Lincoln est encore cassée. Mais c'est bon, il va activer son BKB. Il a été safe là-dessus, hein, le joueur suédois. Il a bien prend raison. Pas de risque. Il a bien raison. Alors, il y a Yokel qui est déjà de retour. On va essayer de faire un point Bounty. Parce que là les Bounty elles commencent à donner là, énormément d'argent. Hein. Ouais. Donc il faudrait qu'on essaye de faire attention. Dans 3 minutes, on a les prochaines Bounty qui vont pop. J'ai le sentiment que c'est EG qui occupe toujours un peu mieux la carte. Donc est-ce qu'ils vont réussir à consolider leur avantage économique grâce à ces Bounty ou pas? Et la Ganym, il va sortir sur ce store. Il va arriver, ouais. Il va devoir dire au revoir à ses bots, je pense, pour ça. Mais c'est pas très grave. C'est un de ces héros qui peut se passer, les bots. Oh, quand t'as 3000 de mana pool avec un Storm. Bon, voilà, tu peux faire ce genre de choses. Bonjour. On a vu tout à l'heure, hein, c'était Team Secret qui avait abusé de la mobilité. Petit point vert sur la minimap, pardon. J'avoue. C'est vraiment trop drôle. Ah, tu dis oui, qui avait abusé du. Ah oui, du renvoi fontaine. Bah, ou même du Storm tout court, hein, en termes de dépush. Alors évidemment, il y avait le chaîne pour en abuser encore plus. Mais c'est un héros qui a une mobilité tellement monstrueuse en late game, puisque sa mobilité dépend de sa mana pool. Et là, avec 28 000 de net worth, vous vous doutez bien que de la mana pool, il en a. Allez, Matou qui dépush un peu en bas. Il prépare un BKB. Il a pas très bien scale en item, hein, Matou Mama, non? Non, absolument. On le connaît, hein, c'est plutôt ce carry sacrificiel. Il a pris le Poison Sting Slow, je crois. Trucs sur les wards là. Ouais, les HP et les dégâts sur les wards. Donc, ce qui est logique, j'imagine, quand tu prends le gate qui fait pop des wards, t'as envie d'avoir des wards qui soient fortes. Puis surtout qu'au final, dans les fights, il a pas spécialement besoin de beaucoup de rayons de plus sur son ulti, parce que généralement c'est EG qui se jette dans eux plutôt que le contraire. What? La rapière? Ok. La rapière qui arrive sur. Ok. Sur le Chaos Knight, Liquid qui veut finir la game maintenant? En vrai, je m'y attendais pas à celle-là. Alors, absolument pas. Alors, celle-là, je pensais pas qu'on était dans l'heure de la rapière encore. Alors, parlons-en. Divine Rapière, qu'est-ce que c'est? C'est l'item qui donne le plus de dégâts du jeu. Ça lui donne plus 330 de dégâts. Actuellement, il tape à 500 avec cette rapière. Ouais. Donc, il a plus que doublé son DPS sur l'achat de cette rapière. Tout à fait. Mais si tu meurs, la rapière tombe au sol. Et bah n'importe qui peut la récupérer. Ouais. Donc c'est un gamble énorme qui est en train de faire Team Liquid. Une manière de dire, on sait que dans cette game, on va avoir du mal à aller plus loin. Et on veut finir maintenant. Et t'en parler, potentiel Agalish, il est là. Donc avec Agalish, les rebonds de l'ultilish ne s'arrêtent jamais. Il continue tant qu'il y a une cible. Et ça, quand t'as des élus Chaos Knight 3000 HP, 5000 pardon. Ah ouais. Bah ça rebondit. Ah ouais, carrément. Ça peut on va pas dire gagner une fight en soi, mais tu peux te retrouver avec tout d'un coup la liche qui a fait genre 7k dégâts à la fin de la fight. Alors comment tu forces à côté Liquid? Je sais pas. Parce que tu veux forcer. Le problème est toujours le même, non? C'est que t'as pas de moyen de forcer. Je suis d'accord avec toi. Mais si t'achètes cette rapière, c'est pour peut-être forcer mid, peut-être aller. Parce que tu peux envisager un trade de base là avec ton adversaire, tu tapes beaucoup plus fort que lui. Oui. En plus t'es épaulé par des bons tools pour t'aider à prendre les bâtiments rapidement, comme la Bloodlust, comme ces grosses wards Veno. Tu peux peut-être faire un truc genre. Mais c'est risqué. Mais partir mid avec le CK, l'ogre et l'enchant et garder Veno et Wisp en défense. Et tu mets plein de wards sur une ligne et après tu les relocate. Il y a des choses à faire. Hein. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure d'un Wisp CK qui avait gagné un TI. Ouais. C'était Alliance, c'était I3 qui avait remporté avec cette combo. Relocate. Sur la bounty. Et mine de rien, 1, 2, 3, 4. Non, juste 3. Et elles valent 150 boules pièces celle-là. Donc 150 gold. Par personne, ça fait 750 pour toute l'équipe par bounty prise, x3. x3. 3 x 21, 3 5. 15. Donc on peut dire 2500 gold. 2250 gold. C'est monstrueux. Hein. Ouais. Sachant qu'il y a 11 000 de gold de différence entre les deux équipes. Donc si vous arrivez à contrôler ces bounty, vous avez l'avantage économique, même si vous restez dans votre base globalement pendant les 5 minutes. Allez. Roshan est de retour, l'information est prise du moins par Team Liquid grâce à cette petite ward Veno qui était posée dedans. Il y a qu'elle lui. Sur quoi il a sauté? Je sais pas. Excellente question. Le chic, je pense, et ils ont dû le shield après. Ouais, peut-être.
En tout cas, on est vraiment dans un moment très très tendu de cette game. Cette game, le prochain fight va tout déterminer. Ce qui est très compliqué pour Liquid, c'est qu'on le voit, on est dans une méta de relocate, de buyback, pardon. Là. Oh, attention. Ils veulent essayer de leur faire une blague là, je sais pas quoi. Ils arrivent. Oui. Est-ce qu'ils ont le temps? Ils ont 5 secondes pour tuer ce Wisp. Et ils vont y arriver. Et Miracle est tout seul. Il a la rapière. Oh bah non. Quel move de la part de Evil Geniuses. Il a pas de buyback. Mais quel move de leur part. Et Artisia la rapière. Alors c'est probablement le pire porteur de rapière. Pas parce qu'il joue Ursa, mais parce que ce joueur est connu pour faire les pires chocs de l'histoire du TI. Mais il a la rapière. Et il s'envoyait lui aussi à 500 sur cette Ursa. Oh mon dieu. Et lui il a l'attack speed qui va avec pour taper à 500. Oh mon dieu. Team Liquid qui vient se prendre les pieds dans le tapis. Regardez la différence de gold. Il y avait quoi? Il y avait 11 000, 12 000. Ouais, on est passé à 28 000. Et on va récupérer la Aegis. On va récupérer le 6. On va récupérer le Rift Pressure Shard sur ce Roshan. Oh là 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 là. Quel move de la part de Ogier. Ça fait un moment qu'ils le cherchaient ça. Oh oui. Et en vrai je pensais pas qu'ils arriveraient à tuer le Wisp assez vite hein, avec Tarrasque et tout. Ouais, c'est le Nullifier qui permet d'enlever le Ghost Scepter. Oh avec là le Dispel là, 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 là. Et ils sont morts de rire. Ils sont morts de... Et de l'autre côté. Ah là 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 là, c'est terrible. Série, maintenant ils ont pas profité du fait qu'il n'y ait pas de buyback sur Chaos Knight. Bon, ils ont profité pour faire Roshan. Oh bah il est donc. Il vient de le récupérer ce buyback effectivement. Il est encore mort 40 secondes. Oh là là, quel avantage. Mais Hugo, mais il me semble qu'il a un trou dans son inventaire. Ah oh là là, c'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la gars du Storm. Au moins il avait pas vendu ses bottes, hein. Il a juste remis ses bottes dans son inventaire. Oh, regardez-moi ces courbes. Bon, c'est terrible pour Team Liquid. Le défenseur de la Aegis, le tenant du titre de cette internationale. Complètement dos au mur là. Hein. Ouais, peut-être au bord de perdre cette première manche contre Evil Geniuses. Allez, on est rentré en bas. On a trouvé ça, un ça c'est ex. Les bons gales, ça. Ça c'est les bons gales. Y a ça pas de CK encore. Hein. J'avoue. Y a pas de CK pour 6 secondes. Et Sumail, il va aller chercher Kilsiki qui est au milieu du tas. C'est le Venom. C'est Matou. Oh, il a un buyback, heureusement. Mais ça commence à faire beaucoup là ce qui est en train de prendre Team Liquid avec le Chaos Knight qui est de retour. Qui va y aller? Allez, la dagger. On cherche Archnesi. C'est lui qui a la rapière. Et back. Il se fait massacrer. Oh là là là. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Il y retourne. Ils veulent cette rapière. Ils veulent la récupérer. Il a la Aegis. Plus maintenant. Les Ward Veno zone bien derrière, c'est grosses Ward Veno ça. Hein. Le ils vont le S, ils vont le ramener. Et la rapière va être récupérée. Tu mets, est-ce qu'il l'a? Le finish par-dessus. Deux, il y en a deux je crois. Il a les Pressure Shards, il y en a deux. Il tient le coup, regarde ça boot à l'infini. Splittez-vous. Ok, c'est fait pour Team Liquid. Attends, mais ils vont gagner cette game déjà. Mais que faisait S4 mid? Qu'est-ce qu'il faisait mid S4? Absolument aucune idée. Et il va falloir qu'on revoie ce fight. Attends, la rapière, elle est là, sur Miracle, c'est bon, t'inquiète okay, pas, elle est là. Oh la vache. Il ne s'est rien passé, à part cette Aegis, il ne s'est rien passé, on vient d'annuler complètement le très bon move de EG. EG qui vient d'annuler, ils avaient fait ce move gagnant et c'est disparu. On est de retour à 10 000 gold de différence, la rapière est récupérée sur le Chaos Knight, la Côte d'Ivoire va replonger. Et cette game a surtout pris une tournure relativement comique. Mais vous vous rendez compte de la pression que les joueurs subissent dans ce genre de moment? Oh, S4, il a une DD. Est-ce qu'il a le Nullifier? Ouais, lui il en a un, je crois. Non, il peut pas le faire seul. Ok, il a peut-être pas de Nullifier lui. Je croyais qu'il en avait un, mais. Un petit doute. Si, il en a un. C'est lui là, ouais, il a pas osé. La présence de Matou Maman a dû lui faire peur. Et on va se push là de la Bah oui, parce que on est toujours dans le même problème. C'est que t'as Scout. Ok, il a ses trapières. Mais t'arrives toujours pas à remonter les lignes. Quoique, ils sont pas mal là. La ligne top push. La ligne mid aussi, il faut peut-être un petit peu défendre à droite. Il faut qu'il se planque pour pouvoir relocate pour défendre, je pense. Alors l'observateur, il veut vous montrer la courbe sur qui plonge. Il n'y arrive pas pour l'instant. Allez, on reload back pour défendre et on pourra revenir. Okay. Tain, mais ils ont réussi à défoncer tout à l'heure ce Wisp 3700 allez, HP. On va le revoir. Langage de Sumail qui va tomber Matou Maman, c'est bien. Jusque là, tout se passe bien. Quand est-ce que ça part en fou, Hugo? Je pense que cette Ursa ne peut juste pas taper, en fait. Hein. Ouais. Regardez-le, là, il a plus de BKB. Là, il a plus de dagger. Et en fait. Et pourquoi est-ce qu'on backup pas sur la Aegis du coup? En fait. Bonne question. Parce que en là vrai, il est mort. Mais il n'y a plus de mana sur le Storm là. Regarde le Storm. Ah, le Storm a plus de mana. Ils ont plus de ressources sur personne. Hein. Là, Weaver parce que là, il le laisse mourir véritablement. Ah, tu sais vu qu'il la est mort. La vitesse à laquelle il meurt. Après, il est double utile. Je me suis dit que ça peut faire un massacre. Mais tout le monde est en BKB. Donc, GH à la rigueur a pris un peu cher. Mais après, il faut montrer les valeurs de HP des joueurs de Liquid. Tu nous as cité les tasses tout à l'heure. Il y a 5600 HP sur le Chaos Knight. On a vu le Wisp à quasiment 4000. Et Liquid, ils en reviennent pas. Ils y croyaient pas à ce comeback eux-mêmes. Je sais pas
si t'as vu quand il montre la tête du joueur de G tout à l'heure, derrière tu vois le mec débousse le technicien qui se marre. Il se marre quand il perd. Non mais cette game, on est vraiment dans je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler cette zone, mais c'est du grand n'importe quoi là. Ah ouais. C'est du territoire inconnu pour les deux équipes. Attention Espoir. C'est bon, il a eu le temps. Oh, la Rilo qui ne le trouvera pas. Ok. Il est obligé de BKB là-dessus, hein, parce que si le Hex part, il est mort. Ouais, tout à fait. Kuroki qui va peut-être faire les frames ici. Ouais. Alors d'où ils vont partir, hein, Rilo. Ils l'ont entrevu. Bah, ouais, on a loupé le grappin. On a loupé le grappin de la part de Sumail. 46-40, 16 000 gold de différence, mais on va pas se mentir, à ce stade, ça ne change rien. Dota Plus ne change pas, reste du côté américain pour l'instant. Alors, c'est officiel, il n'y a plus qu'un héros du côté Team Liquid qui n'a pas de Tarrasque, il s'agit de Kuroki. C'est vrai ? Les autres en ont tous un. Oh là 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 là, c'est incroyable. Mais n'empêche que, enfin, t'as vu le temps ? Même avec la rapière, à quelle vitesse Artesi n'arrivait pas à tuer le Chaos Knight. Hein. C'est vrai. Alors que, on le sait, Ursa, c'est supposé tuer les tanks, quoi. Mm. Le héros est quand même design pour ça. Quelle game. C'est vraiment n'importe quoi quand même. Mais regarde, il va nous faire un butterfly le Chaos Knight. C'est-à-dire que là, il va avoir 5600 HP, un Taras pour se régène, une BKB pour l'immunité magique et 35% d'évasion. Oh, crit. Ils avaient trouvé Matuma Manescu, ils vont pouvoir l'avoir là-dessus. Ils vont pouvoir l'avoir. Il doit être encore en cooldown de buyback, je pense, pour 3 minutes. Lui, malheureusement, oui, c'est le cas. Personne ne pourra l'aider. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un tool très important de la défense de Team Liquid qui tombe là. Hein. Uh-huh. Elle est dure à contrôler cette carte contre un Storm avec autant de stuff. Mm. Ça peut partir de très loin. Et ils vont essayer de monter le High Ground Evil Geniuses là-dessus, je pense. Faut faire attention, hein, le CK peut évidemment one shot des gens. Ils sortent son ulti. 5. Est-ce qu'on l'a entendu slash vu cette ulti? Je ne sais pas. Ah, mais ça se tempo pas vraiment un ulti CK, c'est 42 secondes. Ouais. C'est compliqué. Alors qu'est-ce qui fait peur ce Chaos Knight? Oh, oui. 5600 HP et 500 de dégâts. On est parti sur Artesi. Le temps d'activer son ulti, c'est plus important. Sumail qui zone tout le monde avec le fire par-dessus. Fire. C'est magnifique. Tu en train de tomber. Miracle est très low aussi. On le heal, c'est pas suffisant. Ah, Miracle qui tombe. La rapière est au sol. Tombe. Le Wisp tombe. Il n'y a pas de buyback. Effectivement, ouais. On est plus que deux en vie côté Team Liquid. On focus les bâtiments pour l'instant de la part de EG. Je ne sais pas du tout où est la rapière. Sur Arthur. Il a deuxième récupéré. Round. Allez, okay. C'est les paris réussis tout à l'heure, on va voir si cette fois-ci il a plus de réussite avec Mind Control qui essaie de zoner S4 mid. Ça tombe très lentement les bâtiments, mais ça tombe. Et on a le temps. C'est ça le plus important. Sumail, t'as envie d'y aller. Il a loupé un peu son engage, plus beaucoup de mana. Il va mettre un coup de Blood Torch sur l'Enchantress, on veut les bâtiments. Hein. On n'a pas trop envie de tuer les héros, c'est vraiment les bâtiments qu'on veut. Ouais. On va pouvoir les terminer, je pense. Oh, attention, l'abyssal qui est passé sur MC. Il a un buyback. Les deux sides, c'est fait. Est-ce qu'il peut prendre le troisième, Boja? Oh, ça me paraît faisable pour Evil Geniuses. Il n'y a plus que Mind Control et Miracle pour assurer la défense de ce dernier side. MC qui va lâcher son heal, s'avancer un peu, lâcher des enchants, dispel des choses. Oh, on l'a trouvé avec la cure 7 crawl. Est-ce qu'on va essayer de le terminer? Non, il BKB, il va retrouver Mind Control. Mais regarde, S4 fait de la place pour le side. Et le side est tombé, il a son timeless, il repart comme neuf. Alors, on est clairement. Oh, attention, Miracle, on lui force Miracle, la BKB. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver un match? On lui a mis la lotus pour qu'il puisse renvoyer la missile. Attention, le grappin de Sumail. Et le fire de nouveau. Dans le fire. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que nous fait Evil Geniuses. Et on va partir sur le trône. Le whisky buyback maintenant. On va être 3 en vie avec le Venomancer et avec l'ogre magie. Mais on colle le GG. Sans miracle, sans mind control, on ne peut pas défendre. C'est fait pour l'armée du King. Le King et sa famille. Arthur qui est vraiment décidé à dire que la curse, c'est qu'une légende. C'est qu'une connerie. Il n'y croit plus une seule seconde. Et c'est sur une game de 64 minutes avec des rapières et des swings de gold complètement indécents que Evil Geniuses va prendre la première manche contre Team Liquid. Et je trouve que comment est-ce qu'on peut mieux résumer finalement ces nouveaux EG face à Liquid qui étaient, tu sais, les rois de l'occupation de la carte. Vous entendez la foule qui crie dans le stade, c'est absolument génial. Liquid qui était le roi de l'occupation de la carte, des Roshan, de on force les fights quand on veut face à ce nouveau EG. Le EG de Fly, un EG plus stratégique, peut-être un peu moins stupide, hein, je pense qu'on peut le dire, beaucoup plus calculateur, ouais. Mais ici qui domine Team Liquid. Mais c'est infâme parce que j'ai l'impression que c'est Team Liquid n'a jamais été vraiment connu pour être une équipe qui fait beaucoup de split push, mais c'était vraiment une équipe connue comme étant très intelligente sur son occupation et de voir vraiment EG les battre à leur propre jeu. Et surtout, c'est impressionnant. Dans une première game de BO3, que les mecs décident que leur strat dans la game, ça va être
de fumer Liquid à là où ils sont bons, ouais. Franchement, tu fais une très belle prestation sur la première. Et Liquid, qui n'est pas connu pour être une équipe facile à déstabiliser, doit se sentir pas ouf après cette première manche. Clairement, ils perdent avec leur Wisp en plus. Ouais. Est-ce que EG peut le faire? Est-ce que EG, qui, quand même, on va le rappeler, en début de tournoi, personne ne les attendait. Absolument ils personne. Ont fait, enfin, si, une personne, Lulu. Oui. Ils ont fait une phase de poule incroyable. Ils sont en train, pour l'instant, de nous montrer que NA is back. Ouais, et que la belle histoire, c'est peut-être pas que EG dans ce tir. Exactement. Alors, il y a un peu quand même l'ambivalence avec les good guys, les mecs sympas qu'on bien a envie sûr. De soutenir, et les génies du mal qui portent très très bien leur nom dans cette fin de saison Dota 2. 1-0 pour l'instant, tout reste à faire pour oh, eux. Ouais. Mais bon, le break est fait, le break fait mal à Team Liquid. Et on va voir juste après la pause comment va finir ce BO.